Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci. D'être venu avec nous ce soir, ce sera une conférence un petit peu plus intimiste que les autres. Apparemment, il euh, y a plein, plein de, de problèmes qui se posent. Il y a la fête foraine à côté, on peut plus se garer. Euh, C'est l'approche des fêtes, etc., etc. Mais, euh, mais vous allez voir que vous allez passer une, une excellente soirée. Donc, merci d'être avec nous ce soir et merci aussi aux internautes qui vont nous re rejoindre tout à l'heure. Alors. Déguster une coquille Saint-Jacques, c'est un plaisir pour beaucoup d'entre nous. Mais lire... La coquille Saint-Jacques. Écoutez la coquille Saint-Jacques. Voilà un exercice que bien peu d'entre nous ont pratiqué, je crois. <laughs> Et pourtant, elle a beaucoup à nous apprendre, n'est-ce pas, Laurent Chevaux ah, C'est vrai. <laughs> elle a beaucoup à nous apprendre, cette coquille Saint-Jacques, que vous avez nommée La Sentinelle de l'Océan, dans ce livre qui est paru aux éditions Équateur en novembre 2019. Oui. Euh, un livre que vous dédicacerez d'ailleurs à l'issue de, de cette conférence, grâce à la présence de la librairie Le Fayre. Alors, si vous avez envie, je vous dis à vous tous, si vous avez envie de le mettre sous le sapin de Noël, sachez que vous offrirez non seulement un livre, mais aussi un calendrier, une Odyssée, un symbole, un thermomètre, une machine à remonter le temps, un couteau suisse, un révélateur de pollution une archive, une nageuse et une chanteuse. Pas mal, non Et il y a même... Tout ça pour combien Je me souviens fait du coup, Oui, pas, cher. Pas, pas très cher. Pas très cher, euh, 15 euros. Ouais, ouais. <laughs> Tout ça pour 15 euros. Ouais. Et en plus, et, et beaucoup plus que ça, en fait. Il y a même une playlist. Oui. Parce oui. que vous parlez beaucoup de, de musique aussi dans, dans le livre, une ouais, musique qui, la, la musique qui vous accompagne, vos autres chercheurs. Ah, C'est vrai. Ouais, hein ouais. Ah oui, mais, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. On oublie ou on ne fait pas l'effort de se souvenir de, des musiques qui ont ponctué notre vie. Et là, Apparemment, la, ponct... vous, la, oui. la musique ponctue pas mal la recherche. Ouais. S Il n'y a pas un instant où on écoute de la musique, on fait de la recherche. Ouais. Alors, on y apprend aussi comment naît, comment naît votre vocation de, de scientifique, votre intérêt pour la biologie marine, euh, qui va vous sauver, je cite. De votre lassitude chronique, ça veut dire quoi ça Ouais, j'avais pas Vous envie... fainéant. Ah pas du... Euh, non, non, je viens d'un milieu assez rural avec des gens qui travaillaient, un papa et une maman qui travaillaient beaucoup. Il n'y avait, avait pas de débat sur la fainéantise ou pas dans, dans l'éducation, dans ma famille. Il n'y avait pas de débat là-dessus. De l'ennui peut-être J'avais de l'ennui, ouais. Je, il y avait peu de choses qui m'intéressaient, pour être honnête. Ouais, Jusqu'à l'âge de 20 ans. Et... et ensuite, la biologie marine m'a un peu sauvé là, de cette torpeur et de cet ennui. Apparemment ouais. oui, parce que vous avez signé un contrat pour étudier la vie de la coquille Saint-Jacques. Et en fait, vous avez entrepris, vous le dites là, un voyage de 30 ans qui vous emmènera sur des chemins sinueux de Brest à l'Arctique en passant par la Norvège, la baie de San Francisco et l'Antarctique, de l'aventure scientifique à la question écologique, du mollusque à la musique, ça en fait quand même des choses. Ah, je crois que j'ai eu de la chance, ouais. essayer de coquille Saint-Jacques m'a vraiment sorti de l'ennui. Alors, <laughs> j'ai quand même envie que vous nous, nous, nous reparliez un petit peu de, de votre itinéraire. Vous êtes donc là maintenant, on va dire ce que vous êtes maintenant, directeur de recherche au CNRS, mmh. écologue. Plongeur, oui. toujours plongeur. Oui, mais voilà, ah, je pas que vous disiez, à chaque, que... chaque année, de façon assez curieuse, un médecin m'autorise à continuer à plonger. Ouais. Formidable ouais. Votre laboratoire se situe à l'Institut universitaire européen de la mer, oui. l'IUM, qui, qui est installé à Plousané sur oui. la technopole Brest-Iroise. Euh, voilà, euh, balayé par le vent. Euh, oui, bah, c'est au-dessus de la Pointe du Diable, c'est un joli nom. C'est magnifique. Ouais, et euh, au-dessus de la Rade de Brest, le goulet de la Rade de Brest, juste à côté de l'Ifremer, oui. pour les gens qui connaissent. Enfin, bref, c'est l'ouest de Brest, entre Brest et le Conquet, un endroit assez... Euh, bah, bah, c'est assez opportun quand on veut faire de l'océanographie, de s'installer là. Absolument. Le, vous me disiez le, vraiment le plus gros centre, si, si on bah, ajoute... Si on a, voilà, si on rajoute l'Ifremer, les, les personnels du, du Technopole, les différentes écoles d'ingénieurs, le CHOM, et j'en oublie à chaque fois quand je fais cette liste, le ouais. CNRS et puis l'Université de Bretagne Occidentale, ouais, il y a vraiment plus de 2000 personnes qui travaillent sur la mer à cet endroit-là. Alors, euh, votre laboratoire euh, fait partie de l'EMAR, le la laboratoire des sciences de l'environnement euh, marin. C'est un des labos donc de, de cet institut euh, universitaire euh, européen de, de la mer. Et vous êtes euh, directeur du BIBEST. Be Alors, c'est quoi le BIBEST Be rapport... Au sein de ce laboratoire, une équipe franco-québécoise. On s'est vraiment intimement marié de façon un peu statutaire avec un laboratoire de Rimouski et de l'université Laval à Québec pour travailler sur des larves d'invertébrés surtout des moules, des huîtres et, et des coquilles Saint-Jacques, enfin, du, du pétanque géant du Canada pour la partie québécoise. Et on s'associe ensemble pour travailler notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon et, et, et décrire la biologie d'animaux qui sont de milieux euh, subarctiques, tempérés, un peu, un peu froids. Et euh, ces animaux-là nous intéressent avec les Québécois et le mariage avec les Québécois se passe vraiment très, très bien dans le partage des connaissances et dans le partage des savoir-faire. Il y a une partie des choses que nous savons faire et pas eux et réciproquement. Et c est, c est, les scientifiques savent faire ça bien, à traverser les frontières et pas trop faire attention à, aux nations et aux... Oui, oui, oui. Ouais. Alors, euh, il y a quelque chose qui, qui m'intriguait. Alors, je, je sais la réponse maintenant, mais euh, vous venez d'un milieu rural, vous venez de le dire tout à l'heure. Vous, euh, vous êtes originaire de la région d'Avranches, d'Avranches même, peut-être, je ne sais ah, pas. Je enfin. suis né à Avranches, oui. Avranche. Mes parents étaient Charentais, mais moi, je suis normand. Ouais. <laughs> voilà. Et donc, euh, euh, comment est-ce qu'on arrive d'un milieu rural à, euh, à faire de sa spécialité euh, quelque chose qui a à voir avec la mer. Comment oh, Au-delà de l'ennui, hein, Au-delà. Le... Au... Ah, bah, okay. <laughs> Et finalement, euh, bah, je sais pas, des... j'ai un grand frère qui m'a, avec qui je passais pas mal de temps. Je raconte ça dans ce livre. Hein. Je passais pas mal de temps sur la plage de, de Pirou plage, où il y avait une piscine. Pirou, c'est hein. à... ouais. en Normandie. Une piscine, ouais, ouais. En Normandie, ouais au nord de Grandville, oui. pas loin de la Grand-Coutainville, enfin bon. et euh, on allait plonger là, on allait se baigner là, et la, le premier attrait à, à la biologie marine et aux bestioles ou à la pêche et, euh, vient de, de cette plage et de, du côté récurrent, on venait à cette plage régulièrement, et avec mon grand frère on a développé ensemble une espèce de passion. Il est comme moi, il est docteur en biologie marine et il fait de la biologie marine comme moi. Bien. Et on a développé une passion pour la mer pour la, oui. la au départ, sans, sans trop le formuler, sans trop mettre de mots là-dessus. Hein, oui. oui. Et c'est les premiers cours à l'Université de Bretagne-Occidentale à Brest qui ont finalement révélé. Cette attirance pour la mer et l'envie d'aller plonger, et ça m'a jamais quitté. Vous voyez, ouais. euh, j'avais 21 ans ou 22 ans et, et, et des pourtant gens, comme, vous des gens un avec frileux. des frileux. Ah oui, je suis très frileux. Ouais. Ouais, tu... ouais. Mais euh, des Michel Glemarec ou des gens yves Mona, pour ceux qui connaissent, euh, on, on qui savait. Sont avait, la station avait, biologique de Roscoff. Ouais, et, qui, est, qui sont aujourd'hui à Roscoff, mais ouais. ces gens qui enseignaient à Brest avaient un talent pour enseigner euh, la, la, la richesse de la Bretagne, dont. Des, une version extrêmement cachée et réservée à quelques initiés. Ouais. Ouais. Il y avait une envie finalement ou un, un apprentissage de la découverte et la notion d'exploration apparaissait euh, dès la plage ou dès les premiers cours. Quoi. Ouais. Donc, euh, vous, avez, vous écrivez aussi au, au début du, du livre dans, euh, dans un chapitre qui s'intitule Pirouplage là où tout commence. Vous dites donc que vous allez mettre 30 ans de votre vie au service de la coquille Saint-Jacques. Si, si bah, C'est peut-être pas terminé d'ailleurs, 30 ans, ça va peut-être continuer encore. Et vous dites, j'ai eu la vie des hommes qui tombent amoureux, puis découvrent la poésie et s'avouent tardivement que la nature sous-marine est simplement belle avant d'être scientifique. Et ça, ça nous amène à parler de, 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 de la programmation de cette conférence euh, quelques jours avant l'ouverture d'une exposition qui va se tenir ici même au Champ Libre, dans la salle Anita Conti, la salle du rez-de-chaussée, et une exposition qui s'intitule Arctic Blues. Le blues de l'Arctique Oui. Expliquez-nous un petit peu comment ah, né cette, que, bah, cette, crois, c est née cette... parce que c'est une histoire assez, assez oui, chouette. Oui, mais on, on, va, on va revenir pendant la conférence sur, sur le sujet, mais euh, l'idée était un, un vrai inconfort quand on revenait d'Antarctique. Je vous montrerai ça tout à l'heure par l'image et par le son. Quand vous revenez d'Antarctique, vous avez une difficulté qui est, euh, qui est le retour à la normale. Ouais, J'imagine qu'un cosmonaute a le même problème. <laughs> quand vous revenez à la normale en Bretagne, même si la Bretagne est magnifique et même si la Berbraque est un endroit incroyable pour vivre en famille, le retour à la famille et le retour à la Berbraque étaient en décalage avec quelque chose qui est extrêmement intense en poésie, en esthétique et en implication humaine. Quand vous faites des trous dans la glace et puis vous allez sous la glace plonger, vous allez voir et que vous avez des bruits et des choses très étonnantes. Le, 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 vous revenez chargé d'émotions et quand vous êtes scientifique, vous avez été dressé à ne pas parler de vos émotions et à ne pas les exprimer. Donc il y a un décalage, un paradoxe entre ce que vous avez à faire, votre quotidien de chercheur, et ce que vous êtes capable de dire. Et on a commencé à se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas confier ce travail-là, de la beauté d'une catastrophe, à des artistes et euh, les 30 ans de, 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 de carrière ont été régulièrement, au moins les 15 dernières années, associés à des résidences d'artistes en milieu polaire avec nous. Vous les et vous et, les avec et vous on emmène des artistes avec nous en milieu polaire jusqu'à aujourd'hui, utiliser mm -hmm. les sons, parce que l'écologie moderne utilise l'acoustique passive et l'enregistrement de sons. Oui, parce qu'on peut comprendre que vous emmeniez, euh, par exemple, des, des, des photographes, des, des cinéastes, mm -hmm. même des écrivains, euh, oui. etc. C'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il est qu sera présenté à Arctic Blues mais c'est vrai que des musiciens. Oui, euh, mais vous je... allez voir que les coquilles Saint-Jacques font du bruit, les homards font du bruit. Et que... Vous avez peut-être et... entendu un petit bruit en rentrant dans cette salle tout à l'heure qui vous paraissait peut-être. Vous saurez peut-être ce que c'est tout à l'heure. Bon. On, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'emmener des musiciens, c'était quand même. Euh... Et euh, ce n'est pas cosmétique, hein, ce n'est pas artificiel de mélanger art et science quand on a une population. Euh, nos concitoyens ou nos contemporains n'ont pas un attrait évident vers la mer. Et la difficulté est de euh, remaritimiser les consciences ou euh, inviter euh, no, le public à s'intéresser à la mer. Ça paraît euh, bizarre, mais le CNRS a envie de voir une population française qui s'intéresse à nouveau à la mer. Ou je ne sais pas qui c'est, disait, euh, pour les Français, la mer, c'est le truc qu'on a dans le dos, qu'on est à la plage. C'est assez vrai euh, quand on parle de science. Et euh, comment on fait pour que les gens s'intéressent à la mer avant de faire de la vulgarisation On a un monde, ça. Quand probablement la musique, les artistes doivent nous permettre de faire ça et certainement pas des graphiques orthonormés qui sont en plus assez catastrophiques et extrêmement oxygènes aujourd'hui. Quand on présente l'état de la mer, on fait peur à tout le monde. Donc il nous fallait, bah, il nous fallait quelque je chose. Je ne sais pas si on fait peur à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde a vraiment conscience. Vous, vous, par exemple, vous avez une grande admiration, je sais, pour un monsieur formidable que j'ai eu la chance de rencontrer vers la fin de sa vie, Monsieur Lorius. Oui. Euh, euh, vous aviez une grande admiration pour lui et vous dites qu'il y a des années qu'il alerte ouais. sur, euh, sur le, le fait que... Bah, ouais, je crois que Lorius apparaît au milieu des années 70 ouais. sur euh, Antenne 2. <laughs> ouais, ouais. sur Antenne 2 annonce que le climat va changer et que la composition de l'atmosphère ouais. a déjà changé et qu'on a déjà avec l'ère industrielle changé les propriétés de notre, euh, notre atmosphère il le fait devant Cousteau qui se moque de lui euh, mm. euh, à au milieu des années 70 ouais. Ouais, et vous, si vous faites le calcul ça fait quand même 50 ans que les scientifiques vous disent la, le, on a changé la composition de l'atmosphère, le climat va changer mm. ouais. donc les, faire peur ne fonctionne pas forcément très très bien cette impression de, c'est le principe de la recherche, d'essayer par la musique ou d'essayer par l'art de transformer les esprits ou de les maritimiser c'est peut-être une, une piste de réflexion. C'est pas très, très loin de, de la recherche. Hein. Mm. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis qu'on a une hypothèse, on teste sur 15 ans, est-ce que ça fonctionne cette histoire d'art et science dans une version pas cosmétique. On n'est pas en train de dire on va mettre un coup de rouge à lèvres. Est-ce qu'on peut rentrer dans et donner euh, bah, de, de donner une envie oui. de s'intéresser puis de proposer Espace des Sciences ou Océanopolis ou oui. la Cité des Sciences à un public, une fois qu'il est réellement intéressé pas uniquement convaincre, les gens, déjà convaincus. Et justement, cette exposition a déjà été présentée à, à, Brest, à Océanopolis, ouais, ouais. À, à Brest. À Brest, au Capucin. Oui. Ah oui, au Capucin. Et il faut dire euh, que la commissaire de l'exposition euh, s'appelle Emmanuelle Asquette. C'est elle qui a fait ce travail. Hein. Qui, fait, qui fait un travail formidable. Oui. Là, elle est en cours d'installation de, de, et, oui. et je pense que ça va être quelque chose de formidable. Il y aura des photographies, il y a de la vidéo, il y a des installations, euh, oui. il y aura des écrits, il y aura de la création sonore, il y a un dôme dans lequel oui, on pourrait oui, rentrer pour oui. écouter de euh, la musique, il y aura une fresque scientifique ça donne vraiment très très envie et puis nous ça, ça nous fait plaisir aussi de, même nous aussi qui, qui, qui sommes des passeurs de, de science en quelque sorte à, à l'espace des sciences d'y de, associer euh, de, toutes ces disciplines différentes et puis faire passer, c'est vrai euh, cette émotion qui n'est pas toujours facile à, à, à exprimer quand on est euh, scientifique ça. Mais vous la, vous la faites déjà bien passer, je trouve, je, je vous le tout dis mieux. très sincèrement, oui. euh, à, à travers, au travers de, de, de ce livre où l'on apprend vraiment beaucoup de choses et les, tout, toutes les informations que je vous donnais tout à l'heure sur ce que, ce que vous, allez, vous alliez offrir en mettant ce livre sous le sapin de Noël, ce sont les têtes de, de chapitre de, oui. de, de votre livre. Hein, voilà. on, y reviendra, on y reviendra tout à l'heure, mais pour le moment... Découvrir tout, que, tout ce que cette coquille Saint-Jacques peut nous apprendre, c'est absolument extraordinaire. Et moi, je trouve euh, presque triste que tout le monde ne soit pas au courant de, oh. <laughs> de cela. Voilà. Donc, on vous écoute, on, on, et puis on se retrouvera tout à l'heure pour les questions, les questions que vous aurez à poser ici, bien sûr, dans la salle, et puis euh, les questions du, du public qui nous suit sur internet. Je vous, pas, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. À tout à l'heure. Alors, oui, vous allez voir, c'est un exposé assez, assez richement illustré. Il y a beaucoup de photographies, et je voulais dire avant de commencer, pour pas avoir à le répéter à chaque fois, que pratiquement toutes les photographies qui sont présentées dans ce, dans, ce, dans cette conférence sont de Erwan Amis, qui est un ancien plongeur des mineurs qui fait. Le, qui est aujourd'hui euh, un plongeur euh, qui, qui a participé à l'ensemble de mes missions. C'est lui qui fait les photos et moi qui suis en face dans les, dans les photographies. Donc euh, une... l'histoire est complètement commune. Donc il apparaît euh, beaucoup moins que moi il est beaucoup moins sous les projecteurs, mais il était avec moi dans toutes ces missions euh, en... en Antarctique et en Arctique et ailleurs. Et Jean Gomi, euh, que vous connaissez peut-être, euh, qui, qui est un peintre de la marine et qui est photographe euh, à, et qui est aujourd'hui à l'Académie euh, des Beaux-Arts. Donc il a fait des photographies que vous verrez euh, hors de l'eau quand on est en milieu polaire. Donc voilà, il fallait que je le dise. Évidemment, cette conférence est associée à ce livre. Je ne vais pas raconter tout ce qu'il y a dans ce livre parce que ce serait un peu épais. Et, et voilà, 50 minutes, ça me paraît un bon format ou 45 minutes. Donc, il y a des chapitres que j'ai enlevés, mais si vous voulez revenir sur ce qui a été annoncé, on reviendra, on reviendra volontiers dessus par la suite. Donc c'est une histoire de, de coquille Saint-Jacques, et puis dans les choses qui me tiennent à cœur, c'est essayer de vous expliquer que les scientifiques envoient une image de gens très organisés, très planifiés. Très financé, qui prévoit longtemps à l'avance ce qui va se passer. C'est vrai pour l'aérospatial quand on envoie Hubble ou quand on envoie euh, un, un nouveau télescope dans la dans. Euh, vers euh, Neptune, mais euh, en océanographie, c'est pas forcément vrai. Et sur la coquille Saint-Jacques, c'est pas forcément vrai. Il y a plein de concours de circonstances et de découvertes qui, qui ont été faites de façon fortuite. Et donc, je vais vous présenter ça. Euh, ça démystifie un petit peu la, la, la recherche. Et il y a une part là-dedans qui est de l'improvisation. Peut-être un des points communs forts avec euh, l'art. Dans la science, il y a de l'improvisation et quand vous êtes en mission, il y a une énorme part d'improvisation et évidemment, il y a une énorme part de travail, mais il y a aussi une énorme part, une capacité à improviser et à regarder de façon imprévue ce que la nature vous offre ou vous montre. Alors, l'idée est simple au départ, on étudie la coquille Saint-Jacques parce qu'on est en rade de Brest et puis il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Maille, qui est le maire de la ville de Brest, qui se pose des questions, comme tout le monde, sur ce graphique. On est euh, en 1994, on est ici, donc vous imaginez vous n'avez pas ça. Vous, vous avez ce graphique qui montre une courbe complètement plate et puis euh, un énorme stock de coquilles Saint-Jacques. C'est les, les débarquements en rade de Brest, au-delà de quasiment 2000 tonnes. Et euh, au cours de l'hiver 63 64, on a un effondrement, puis un état, un maintien à l'état relictuel, une, une population de coquilles Saint-Jacques, très peu pêchées, 200 tonnes, 300 tonnes, pratiquement plus rien par rapport à la, à la situation d'origine. Quand on est passé de la pêche à la voile avec des moteurs, il y a des bateaux de plus en plus forts, on démontre assez vite que cette pente que vous voyez là, là est liée à la motorisation de la pêche. Donc une surpêche apparaissait déjà façon un peu cachée avec des bonnes années qui cachaient une tendance à la décroissance. L'Ifremer, l'Espiros FIFA montrent ça assez vite euh, au, cours des, des, au début des années 90. Et euh, il nous restait à expliquer... Euh, pourquoi le stock de coquilles Saint-Jacques reste-t-il à l'état électuel Et le maire de la ville de Brest, ou la communauté de Brest, s'interroge sur la pérennité de cette pêche. Est-ce qu'on aura encore, dans 30 ans, des bateaux qui partent du centre de, 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 du port de Brest et iront euh, pêcher avec un ciré jaune cotène, euh, des types avec une barbe et une casquette rose Est-ce qu'ils iront encore vendre cette carte postale aux touristes qui viennent nous voir Est-ce que les Brestois veulent encore avoir cette coquille Saint-Jacques qu'ils estiment comme étant meilleure à Brest par rapport à Saint-Brieuc et meilleure qu'en Béthel. Vous voyez, leur coquille était vraiment importante, c'est une question à la fois de symbole, d'économie, et bon. Et euh, on nous interroge là-dessus, et euh, je, on euh, est monté un projet qui s'appelait le contrat de baie, les études préliminaires au contrat de baie, euh, rade de Brest, avec beaucoup d'argent, je crois qu'on était 17 étudiants en thèse pour étudier cet écosystème simultanément et la coquille Saint-Jacques est étudiée. Moi, euh, assez vite, on se rend compte que ben, cet effondrement de euh, l'hiver 63-64, on sait très bien que c'est un hiver extrêmement rigoureux en Bretagne. Là, on a les photos. De la baie de, de, de Morlaix, ou non, de, de Saint-Brieuc. Et on a la même chose en, 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 en Rade de Brest, en baie de d'Aoulas, où il y a de la banquise, il fait très froid. Un vent sibérien a, cou, a, a soufflé sur la Bretagne pendant deux mois. Et les coquilles Saint-Jacques se sont simplement effondrées par un excès euh, de disponibilité. Il était extrêmement facile de les pêcher à l'issue de cet hiver-là. Elles étaient sorties du sédiment et elles ont une pêche accrue. Euh, et le stock s'effondre. Donc on a très facilement l'explication de la marche et de l'effondrement, on n'a pas l'explication de pourquoi le, le stock reste-t-il à l'état relictuel. Alors, assez vite, évidemment, et avant moi, Koum ou Christian Illy, euh, on démontre que le, le, le petit escargot qui est là, qui est une crépidule, a proliféré en Rade de Brest. Il a été introduit probablement au cours des années 50. Il y a un petit quart euh, de l'écosystème qui est occupé en 79. Moi, je démontre en 1995 avec Jagral qu'on en a. La moitié de l'écosystème est rempli de, de crépidules. Et euh, on, on sait qu'on a à peu près 20 000 tonnes de crépidules qui produisent 4 fois, fois la mococadis en biodépôt, c'est-à-dire en fécès, en merde et en pseudo-merde, <laughs> en excrément et pseudo-excrément. C'est-à-dire que l'animal, c'est ce que vous voyez là, à hein, l'aptitude à envaser complètement les fonds de la rade de Brest et à changer la nature du sédiment. Et on observe une banalisation des fonds avec une exclusion des coquilles Saint-Jacques qui ne supportent pas au stade post-larvaire, dans leur cycle vital, l'envasement lié à la crépidue. Voilà une piste. Alors, on avait d'autres pistes avec des algues toxiques, vous allez voir, et les choses. Et on s'intéresse évidemment longtemps, et la coquille Saint-Jacques, là, est assez éloignée, au couplage qu'il y a entre ces animaux posés sur le fond et les cycles de la matière. Je ne vais pas faire une conférence là-dessus, mais. Il faut bien se mettre dans le crâne que dans un écosystème peu profond, comme la rade de Brest, quand on est peu profond dans la rade de Brest ou peu profond euh, en, 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 dans les milieux côtiers bretons, évidemment, euh, les animaux qui sont filtreurs à l'interface entre l'eau et le sédiment ont une aptitude à contrôler une partie des cycles du carbone, du silicium, du phosphore, de l'azote. Ils ont un, un vrai rôle dans ces cycles-là. Ouais, et on a la démonstration que si vous introduisez une crépidule par des huîtres, ouais, les règles du jeu en termes de biochimie et de cycle de la matière ont changé brutalement. et La coquille Saint-Jacques, non seulement se trouve envasée, mais se trouve dans l'écosystème avec non pas une fois une pousse de printemps de microalgues dans la colonne d'eau, mais cinq fois par an des pousses de microalgues dans la colonne d'eau. Et c'est comme si vous imaginiez que eh bien, au lieu d'avoir une floraison des cerisiers par an, vous l'avez cinq fois dans l'année l'insecte qui va se servir de ces fleurs-là, au lieu d'avoir une fois de la disponibilité en fleurs, elle aura cinq fois, et vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour comprendre que les règles du jeu viennent de changer brutalement. Donc, on travaillait sur ce couplage entre le, ce qu'on appelle le pélagos, ce qu'il y a dans la colonne d'eau, et le benthos, et sur les cycles de la matière, et on démontre que la coquille Saint-Jacques est extrêmement sensible à ces variations. Dans ces études, on continue à travailler sur la coquille Saint-Jacques et on a à étudier la, le, le, la quantité de jeunes recrues, le devenir de ces coquilles Saint-Jacques quand elles commencent à grandir, et le devenir de ces coquilles Saint-Jacques quand elles grandissent au stade adulte. Et il y a un truc simple sur la coquille Saint-Jacques, c'est que quand vous la regardez de près, vous verrez ça sur les coquilles que vous découpez à Noël, il y a un premier année de croissance qui marque le premier hiver assez proche de sa charnière. Puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Généralement, vous achetez des coquilles Saint-Jacques qui ont trois ans ou plus, donc vous en comptez au moins trois. Et ce que vous allez voir, c'est des bandes donc, claires qui marquent clairement les années, comme sur un arbre. C'est exactement le même principe qu'un arbre. Et on a découvert de façon fortuite, parce qu'en 1995, il y avait une efflorescence toxique. Pour une des premières fois dans la rade de Brest, du phytoplancton se développe et il est toxique pour les coquilles Saint-Jacques. Et elle marque une strie supplémentaire en plein milieu de l'été. On a commencé à regarder qu'est-ce qui fabriquait cette bande blanche au mois d'août, en 1995, et on s'aperçoit que la bande blanche était constituée de microstries. Et ce que vous voyez là, c'est au microscope la surface d'une coquille Saint-Jacques, elle dépose des bandes régulières à l'échelle du jour. Et là, le monde change, parce que vous avez la possibilité sur un invertébré d'aller mesurer. Vous allez voir la distance qui mesure deux stries et donc la croissance journalière de cet animal. Si vous récupérez une coquille Saint-Jacques, je vais vous faire un petit schéma, vous récupérez une coquille Saint-Jacques, là je vous l'ai coupée dans la longueur et vous la voyez de profil, cette coquille Saint-Jacques, elle a donc les stries qui pointent vers le haut. Et si vous savez ici la dernière strie, c'est la date de sa pêche, vous venez de la pêcher, ouais. donc vous connaissez la date. La strie qui est juste avant, bah, c'était la veille. La strie qui est avant la veille, c'est l'avant-veille, et vous remontez dans le temps comme vous voulez. Ouais. Et si vous êtes capable de mesurer la distance qui sépare deux stries, alors sur l'axe des ordonnées, vous avez la croissance chaque jour. Ici, la date, ici, la croissance. Et vous êtes en train de mesurer la croissance journalière d'une coquille Saint-Jacques. Et ça vous paraît rien, mais il n'y a pas de paramètres biologiques qui sont mesurés chaque jour à l'interface aux sédiments en mer. Ou alors, il faut un bateau et rester en mer avec des instruments en mer. Mais la mesure d'une réponse biologique au quotidien... À l'interface aux sédiments, c'est quelque chose de nouveau et ça nous apprend deux ou trois petites ficelles. On commence assez modestement, mais voilà une courbe vraie. Vous avez euh, des, des, des stris très très écartées qui donnent des croissances fortes et des stries beaucoup plus resserrées, vous voyez là, qui donnent des croissances faibles. Et vous avez une année entre le, premier hiver, pardon, entre le premier hiver, et le deuxième hiver, le premier 1er janvier et le deuxième 1er janvier la croissance journalière d'une coquille Saint-Jacques chaque jour. Si vous êtes capable de le faire sur une coquille Saint-Jacques, vous êtes capable de le faire sur 30, et puis vous obtenez la croissance moyenne des coquilles Saint-Jacques en 1994, entre leur premier hiver et le deuxième hiver, tous les jours, en moyenne, avec l'écart type qui va avec pour les spécialistes des statistiques. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez comparer, on aurait pu le faire ça sur une vache ou sur un cheval, la comparaison entre sa croissance... D'un poulain ou d'un agneau avec la quantité de nourriture disponible. Ici, je vous ai mis la quantité de chlorophyllat, qui est une estimation de la quantité d'algues qu'il y a dans l'eau, et qui est son fourrage. Donc là, et on découvre que les coquilles Saint-Jacques ne sont pas couplées avec leur fourrage. Donc il y a une première curiosité qui a, nous a intrigués vraiment c'est comment on peut expliquer qu'un animal qui va manger ouais, a finalement, semble-t-il, tout le temps assez à manger ouais, en Bretagne. Ce découplage vous intéresse. Et par contre, je ne vous l'ai pas mis là, mais la courbe de température suit parfaitement cette courbe-là. Et vous allez voir que si le climat change, ça change un petit peu la donne. Ensuite, si vous êtes capable de le faire une année, vous êtes capable de le faire une deuxième année. Et je vous ai dit qu'en 1995, il y avait une algue toxique qui s'était développée. Voilà, ce pic de chlorophylle, hein, il est constitué de. Euh, elle ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, elle s'appelait Gymnonium d'Axacense, qui produit une toxine qui, qui euh, lise et nécrose la branchie des coquilles Saint-Jacques. Donc, son appareil respiratoire se trouve euh, limite cancéreux, ouais, avec une vraie nécrose. Et ce que vous observez, c'est que les coquilles Saint-Jacques, à chaque fois que apparaissent ces algues, elles, elles marquent un arrêt de croissance. Et donc, vous avez une relation entre les algues toxiques et les coquilles Saint-Jacques qui ralentissent leur croissance, et vous avez une, une relation, en un de ça, sur les nitrates, les élevages porcins, qui introduisent de l'azote en milieu côtier, changent la dynamique du phytoplancton, qui lui-même change la dynamique de croissance. Et quand je vous parle de croissance là, en même temps, moi j'ai mesuré l'aptitude des larves, des tout petits bébés de Coquille Saint-Jacques à vivre, et 100% de mortalité sont observées pendant cet événement-là. Donc la coquille Saint-Jacques pendant cet événement-là, non seulement les juvéniles arrêtent de grandir, les adultes arrêtent de grandir, et les, les jeunes coquilles Saint-Jacques, les plus jeunes au plus jeune stade, quand elles mesurent un cinquième de millimètre, meurent. D'accord Donc on a une révélation par la mesure de la croissance de processus assez fins, et on détecte des processus assez fins à l'interface au sédiment. Si vous êtes capable de le faire pendant l'année 94 et 95 et que vous êtes un peu euh, Tue, bah vous récupérez les coquilles Saint-Jacques, celles que on, vos collègues avant vous avaient stockées, puis celles qu'on stocke depuis. Alors J'ai eu la flemme de, de vous finir le graphique, il va bien jusqu'en 2021. Et on a une très belle relation entre, euh, j'appelle ça la pectothèque, hein, euh, la, notre collection de coquilles Saint-Jacques à la pointe de la Bretagne, prélevée d'ailleurs un peu partout en Bretagne. Il n'y a pas que la Rade de Brest. Là, je vous présente la, la Rade de Brest, mais c'est vrai pour Belle-Île-en-Mer, c'est vrai pour la baie de Saint-Brieuc et la baie de Seine. Vous avez une très belle relation, comme vous pourrait l'avoir avec le vin. Ouais, entre le climat, les, les, les années très très froides et très très sèches en Bretagne pendant l'hiver ont un impact très très net sur la croissance des coquilles Saint-Jacques et le devenir de ces coquilles Saint-Jacques. Il y a une relation même à 30 mètres de profondeur entre le climat qu'on est en train de vivre, surtout au printemps et à la fin de l'hiver, et les, les coquilles Saint-Jacques. Bon, je ne veux pas rentrer là-dessus, mais retenez que ça marche assez bien... Euh, ce n'est pas parce que vous êtes à 30 mètres de fond que vous êtes insensible à ce qui se passe dans l'atmosphère au-dessus de vous. On va revenir dessus. Ensuite, si vous êtes capable de le faire en Bretagne, vous êtes capable de le faire sur la façade atlantique. Et on a étudié la croissance journalière des coquilles Saint-Jacques en moyenne pendant toute leur vie, depuis Vigo, ou depuis le Portugal. Je n'ai pas mis le point là, mais l'Espagne, on va dire, elles sont jusqu'au Maroc, elles vont jusqu'à Agadir. Et puis elles rentrent en Méditerranée, les coquilles Saint-Jacques. Mais bon. Et jusque... Le sud des îles Lofoten, de et aujourd'hui, on a les, les coquilles Saint-Jacques sont arrivées, elles ont déjà migré un peu vers le nord. Il y a une population qui est au nord des îles Lofoten. De et quand vous regardez ce, ce graphique-là, vous apercevez que les coquilles Saint-Jacques d'Espagne grandissent vite que trois années, et les coquilles Saint-Jacques au nord de la Norvège vont grandir un peu moins, mais pendant un grand nombre d'années, jusqu'à 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ouais, bon. Donc la stratégie de croissance est assez différente au sud du nord. Donc, pour vous, c'est une coquille Saint-Jacques. Mais si vous regardez sa croissance, vous avez l'impression que ce n'est pas la même espèce. Ouais. Et les stratégies n'ont pas grand-chose à voir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, je ne vais pas rentrer sur les graphiques, mais vous avez une population qui est au sud, qui est ce petit groupe-là de courbes, qui grandit très vite et après a une, a une, a une croissance, a une taille stable, arrête sa croissance très très vite. Et à l'inverse, en Norvège, par exemple, ce traînat-là, c'est le sud de, des îles de Foten, vous avez une croissance assez lente au départ, enfin plus lente que. En Espagne, mais avec l'impression que l'animal va atteindre une, une taille infinie. Quoi. Il grandit tout le temps, très longtemps. Et en fait, quand vous regardez euh, ce qui se passe en termes de croissance, vous avez deux populations, les bleus et les rouges, le sud et le nord. Et en fait, ces coquilles Saint-Jacques ont simplement une aptitude à perdre des jours de croissance, comme pourrait le faire un humain. Hein. En grandissant, il, il grandit de moins en moins vite. Et surtout, il y a un truc qui est très étonnant, c'est qu'il perd des jours de croissance à chaque saison. Ça c'est normal. Une, une coquille Saint-Jacques va grandir 250 jours en Bretagne la première année, puis que 200 jours la deuxième année, puis 150 jours la troisième année, et ainsi de suite. Vous voyez et quand on est en Norvège, cette aptitude à perdre des jours de croissance en grandissant, elle est très très faible, et elle est incroyablement forte quand on est au sud. Ce qui fait qu'un animal va grandir que trois ans, parce que dès la troisième année, il a épuisé son stock de jours de croissance en Espagne, et il continuera 15 ans quand on est en Norvège. Et ça fait clairement deux populations très différentes entre le nord et le sud. Très bien. Et quand vous étudiez ces populations, vous placez un trait qui a été placé déjà à la fin du XIXe siècle par M. Forbes et qui vous dit, il y a une population ici tempérée froide avec des températures qui se ressemblent finalement assez, ouais, qui euh, marque euh, une, une frontière entre du, des populations très nord et des populations très sud et c'était vrai pour les crabes, pour des oursins, pour euh, la coquille Saint-Jacques, se met dans ce profil-là. Bon. on a commencé à étudier la génétique de ces coquilles et la génétique de ces coquilles vous dit c'est également le cas, il y a une population au nord et une population au sud qui n'ont pas les mêmes, je vous répète, n'est pas les mêmes stratégies de croissance, pas du tout le même aspect, même pas du tout la même forme, la forme des oreilles est un peu différente. C'est toujours une coquille Saint-Jacques, elles sont interfécondes, c'est la même espèce, mais il se passe quelque chose et euh, on a commencé à étudier euh, le, le fait que ces coquilles, finalement, venant... L'hypothèse la, la plus probable, c'est que les coquilles qui sont ici, pendant la dernière glaciation, ont été obligées de se réfugier au nord en profondeur. Les coquilles qui sont ici, ouais, dans, pendant la dernière glaciation, se sont réfugiées en Méditerranée. Et à la fin de cette glaciation, la recolonisation du sud s'est faite par une population venant de Méditerranée, qui avait eu le temps de changer de génétique. Ouais, et la population du Nord est revenue de profondeur et elles se sont jamais mélangées. Et la coquille Saint-Jacques vous révèle que en interglaciaire et en glaciaire, finalement, même si vous retrouvez un continuum le long d'un continent européen, il y a un vrai, une vraie séparation qui existe encore, une cicatrice de glaciation et apparaît, apparaît dans les coquilles Saint-Jacques que vous achetez venant d'Écosse, venant d'Irlande, venant de Norvège ou venant de Vigo. Voilà, Donc ça, ça intéresse les biologistes. Un peu plus. Bizarroïdes et un peu plus proche de nous. Si vous regardez les coquilles Saint-Jacques qui sont étudiées euh, ici euh, au, au, en Norvège. Vous avez donc la croissance la première année. Vous, vous notez un arrêt de croissance pendant le, le deuxième hiver, reprise de croissance. Et on s'aperçoit en 1984 que ces coquilles montent un arrêt de croissance. là. Et il n'y a pas de phytoplancton toxique. On ne trouve pas de traces. Et on retrouve dans les cahiers de l'aquaculture norvégienne, il y a des cages à saumon qui sont juste au-dessus. Et les cages à saumon sont traitées avec un pesticide pour tuer les copépodes parasites ou les animaux qui sont parasites des branchies, des yeux, des saumons, des cages à saumon de Norvège. Et en fait, la déformation que vous voyez là, l'espèce de canyon, a lieu exactement au moment du traitement du, des pesticides. C'est-à-dire que traiter un fjord, la coquille Saint-Jacques témoigne que mettre un pesticide dans un fjord, c'est arrêter sa croissance, arrêter les taux de survie de ses larves. Et, et surtout, on a un beau témoignage, dix ans plus tard, je fais ça en 1999, hein, donc dix ans plus tard, on a encore le témoignage de euh, l'épandage d'un pesticide dans cet écosystème. Et commence à germer l'idée de bah, cette coquille, finalement, elle témoigne de pas mal de choses. Hein. Ensuite, un peu plus compliqué, on, a, on est à Ostevol, le sud de la Norvège, et on mesure toujours nos coquilles Saint-Jacques, c'est la même idée. Hein la croissance des individus qui ont 3 ans, qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, et on s'aperçoit qu'en 1986, il y a cette petite encoche qui apparaît de façon systématique sur tous les individus, ça se voit assez nettement, bon. et on s'interroge à nouveau sur ce qu'on avait vu, c'était la rate de Brest, et euh, il y a des encoches qui sont liées au phytoplancton toxiques. Bon. Et pas de bol, à nouveau, il n'y a pas de chlorophylle, il y a pas, on est certain qu'il n'y a rien dans l'eau. Et on s'aperçoit qu'en Norvège, alors là, il faut suivre un petit peu, on est... Euh, on est sur un, un, une côte qui est orientée nord-est-sud-ouest, le vent, à partir du mois de juillet, donc il, il fait chaud en Norvège, quand on dit il fait chaud au mois de juillet, on est le, le 7 juillet, le 8 juillet, vous voyez les températures, il fait chaud, il fait 12. Il fait 12 degrés. Et la croix Saint-Jacques a sa croissance maximale. Elle est en train de grandir, le vent se met à souffler au nord-est, c'est les petites flèches que vous voyez là, il est d'abord plutôt nord, puis brutalement, il se met vraiment nord-est, fort et ça provoque un mouvement d'eau, l'eau se met à se déplacer en surface et il a tendance à suivre cette orientation nord-est sud-ouest et comme la terre tourne pendant cette mise en mouvement, il a tendance à s'éloigner vers la côte, vers le large. D'accord L'eau en se déplaçant, si je vous le fais, l'eau est déplacée, faut que j'essaie de conserver mon micro, elle est déplacée comme ça et le fait de tourner d'avoir une terre qui tourne, en apparence, l'eau s'en va vers le large. Bon. Et Évidemment, euh, la nature a horreur du vide. Et il, cette eau est remplacée par de l'eau profonde, qui elle a tendance à remonter. Et à la côte apparaît de l'eau froide. C'est le, le bleu que vous voyez. Ouais. Finalement, il se met brutalement à faire froid. En une journée, on passe de 12 degrés à des températures de 7 degrés. Ce est une chute de température de 5 degrés en une journée. Et les coquilles Saint-Jacques enregistrent cette information par leur croissance. Elles ont ce stress thermique qui est imprimé dans leur croissance. Comment le démontrer Il y a un processus et je vous demande de vous croire, de me croire. Si maintenant vous revenez en rade de Brest et vous revenez à ce que je vous ai dit sur ces stries qui sont fabriquées chaque jour, vous achetez une petite perceuse de, de une meulette de, de dentiste et vous prélevez un peu de poudre de ces deux stries là que vous êtes capable de dater. Vous êtes capable de connaître le jour où a été, où a été déposé ces deux stries. Vous prélevez de la poudre et vous faites ça régulièrement. Vous obtenez une poudre de carbonate de calcium, comme vous le feriez avec vos dents ou avec un bout d'os. Hein. C'est de... de la craie. Et le carbonate de calcium, c'est cette formule-là. À l'intérieur, il y a de l'oxygène. L'oxygène, il existe sous trois formes sur la planète l'oxygène 16, le 17 et le 18. La proportion entre le 16 et le 18 dans l'eau de mer, quand on synthétise du carbonate de calcium, qu'on soit une coquille Saint-Jacques ou qu'on soit n'importe quoi, cette proportion-là varie avec la température de l'eau de mer au moment où est fabriqué le carbonate de calcium. Et quand vous faites ces prélèvements et vous regardez ce qui s'est passé en Norvège, vous voyez qu'il a fait chaud, puis brutalement froid, et que c'est inscrit dans la chimie d'une coquille Saint-Jacques, plutôt dans son isotopie. Les isotopes de l'oxygène d'une coquille Saint-Jacques vous permettent d'avoir une idée d'où venait le vent. C'est ça que je suis en train de vous dire. En Norvège, à 30 mètres de profondeur, vous pouvez savoir si le vent soufflait au nord-est ouais, 10 ans avant en mesurant la quantité oxygène, les proportions oxygène 18-oxygène 16 bon si vous revenez en rade de brest et là en rade de brest vous mesurez la température vous êtes capable de faire ça encore plus finement et vous êtes capable de comparer l'oxygène 18 avec la température et vous vous retrouvez avec cette courbe assez magnifique qui vous dit ben, l'oxygène 18 ça enfin, s'appellera le delta o 18 de, de la coquille saint-jacques varie parfaitement avec la température et émerge cette idée de si vous laissez grandir une coquille saint-jacques et si vous mesurez des paramètres dans l'environnement, la température, la salinité, et ça pourrait vous allez voir le pétrole de l'Erica ou un toxique qui vous intéresse, et que vous êtes capable de faire la chimie de cette carbonate, la comparaison des deux s'appelle une calibration, ou calibrer une coquille Saint-Jacques pour qu'elle devienne un thermomètre, ou un salinomètre, ou quelque chose capable de mesurer la vitesse de rotation de la Terre, ou, et vous allez voir la liste. Et ce que je veux vous dire, c'est que le plat festif des Français à Noël, cette bestiole que vous imaginez comme ça, enfin, exactement, les Français, ils l'imaginent plutôt euh, comme ça. Ouais. Ça, c'est comme ça qu'on le voit. Et euh, dans, vos, dans ce livre, vous aurez l'explication sur pourquoi c'est doré et pourquoi vous obtenez un goût de caramel quand vous cuisinez une coquille Saint-Jacques. Il y a plein de raisons biologiques à ça. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais vous la voyez comme ça, vous la voyez comme ça. Et en fait, ce que je viens de vous dire, c'est que c'est devenu un thermomètre et un enregistreur. Il y a un animal qui est capable d'archiver une information environnementale. Dans le cadre d'un changement climatique ou de gens qui s'intéressent à du paléo-environnement, vous avez déjà l'idée de voilà un animal qui va être un livre et qui va constituer une page chaque jour. On a appris à lire le hiéroglyphe qui est la composition isotopique d'une coquille Saint-Jacques. Ça, c'est une recette de cuisine. On ne va pas parler de champollion, mais n'empêche que dans cette page-là, il y a des choses décrites. On est capable de les lire et on descend à l'échelle du jour. Alors, si vous êtes capable de le faire sur la coquille Saint-Jacques, les coquilles Saint-Jacques, euh, il y en a un paquet sur la Terre, dans différentes latitudes, et on a ciblé pour des raisons, euh, je, je promets que ce n'est pas au départ pour la température de l'eau de mer, là il va faire 29 degrés dans l'eau, on va quitter la Bretagne, mais Comptopalium radula vit euh, à côté des usines d'extraction de, nickel en Nouvelle-Calédonie, et on voulait commencer à étudier euh, est-ce qu'on a la possibilité de retracer la contamination en nickel ou, euh, enfin, peu importe, euh, il, y a quelques, il y a quelques métaux qui nous intéressaient, et, euh, en Nouvelle-Calédonie. Donc on a été là-bas, et ça c'est pas prévu, mais pas prévu du tout. On s'est retrouvé avec ce genre de courbe qui vous dit, finalement, une coquille Saint-Jacques, ça enregistre bien un élément chimique, peut-être dont vous avez, parlé, qui le, vous avez entendu parler, qui s'appelle le molybdène. Et euh, vous allez voir que ce molybdène... Euh, tous les pics qui apparaissent sont synchrones à du ça c'est une, une diatomée je ne sais pas si vous avez déjà vu ça c'est une microalgue algue Elles sont apparaissent avec des microalgues avec ce qui se passe dans la colonne d'eau avec les algues fourrages des coquilles saint jacques qui sont des animaux filtreurs systématiquement quand on a un pic de molybdène dans la je, dans la coquille saint jacques hein, je parle bien dans les carbonates de la coquille saint jacques alors on a une petite idée de ce qui s'est passé dans l'eau on a calibré ça je dois vous dire que c'était un beau projet hein, qui s'appelait Chivas, pour ceux qui sont amateurs de, de whisky, euh, ce, ce, pour la chimie des valves de coquille Saint-Jacques. Ouais, on a commencé à développer des savoir-faire sur euh, comment on fait des trous de façon de plus en plus fine à l'intérieur de cette coquille. Et euh, en Bretagne, on a la possibilité de faire des trous avec des lasers et d'amener la poussière arrachée par laser dans un spectromètre de masse pour avoir la composition chimique d'une coquille. On sait faire ça à Rennes, on sait faire ça à Brest. Et on se retrouve avec, évidemment, plus d'informations de façon de plus en plus précise. Là, le trou, il va... Si ça, c'est 24 heures, on est en train de descendre à l'échelle de 2-3 heures dans la vie de l'animal. Vous allez voir qu'on va, on va, on va arriver à 10 minutes. Et euh, on démontre assez vite que, dans une coquille Saint-Jacques, le barium, le molybdène, pour des raisons qui sont un peu alambiquées, hein, de chimie et de, de flocula, et comment euh, le barium qui est dissous, par exemple, dans l'eau de mer... Euh, sous l'action de bactéries et du manque d'oxygène dans une neige marine, c'est-à-dire dans des agrégats de microalgues algues qui ont tendance à, à s'agglomérer dans l'eau avant de descendre, euh, alors on a une explication logique sur comment le barium est incorporé dans les coquilles Saint-Jacques et comment il va vous renseigner sur la dynamique du phytoplancton. Ça, ça date de cette année. Julien Thébaud démontre comment le molybdène et le lithium en rade de Brest vous renseignent sur la dynamique du phytoplancton. C'est n'est pas rien parce qu'on n'a pas d'information soit avant l'apparition des pores. Oui, on ne peut pas vous dire quelle était euh, à la fin des années 50 la dynamique du phytoplancton en Bretagne, on n'avait pas de mesure. Oui, donc si on trouve un élément chimique ou une astuce qui vous permet de retracer l'évolution de la dynamique du phytoplancton, on aura une mesure précise de l'impact de l'introduction de nitrates ou euh, de, de sels nutritif euh, dans les écosystèmes côtiers bretons. Alors voilà, ça veut dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a quitté la température, la salinité, on peut aller vers des choses qui sont de l'écologie vraie fonctionnement d'écosystème, c'est comme si je vous disais, je suis capable de déterminer quand et combien euh, les, la, les, les feuilles de chêne sont tombées dans les forêts. D'accord, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans. C'est cette sédimentation de matière organique ou de microalgues qui intéresse évidemment les animaux qui sont au fond, qui font que attendre cette sédimentation ou cette descente vers eux de la nourriture, on est capable donc de déterminer quand, où et en quelle proportion. Alors si on est capable de le faire aujourd'hui... Euh, Évidemment, hein, retenez qu'on est capable de le faire euh, il y a longtemps, et on a commencé à le faire euh, ici dans les, dans les sépultures euh, bah, de l'homme de Teviec, qui intéresse beaucoup Michel Lemarec. Mais euh, on est euh, à l'isme de Quibron, et euh, l'homme de Teviec enterré ses morts avec des pas mal de coquillages, et, et c'est pas le seul, mais c'est assez présent sur la planète, donc du néolithique à aujourd'hui. Là, on est en Norvège, c'est une poubelle. Donc, un, la considération des corps et des sépultures n'est pas exactement la même à la même époque en Norvège. et en... Mais on trouve euh, des coquilles Saint-Jacques à côté de, de, de corps mis dans les poubelles, ou des coquilles Saint-Jacques à côté de sépultures de chefs avec des crânes de serre, ou euh, des coquilles Saint-Jacques euh, qui sont présentes, euh, mangées par les moines de l'abbaye de l'an de, des de euh, Et vous pouvez vous amuser à calculer la température de baignade. Des, des moines, ou quand ils mettaient les pieds dans l'eau, euh, au mois d'août, vous pouvez calculer ça pour des archéologues, ou euh, avoir notamment les dates de pêche, si c'est un truc de régulier ou pas, saisonnier ou pas, parce que vous pouvez calculer la température à la marge de la coquille, et vous pouvez évidemment dire c'est un animal qui est plutôt mort euh, au printemps, ou plutôt mort en hiver, ou plutôt mort en été, et dire si c'est... Vous en récupérez 100, si c'est systématiquement cette date ou à peu près cette saison, vous avez une idée de la saisonnalité des activités de pêche euh, d'un homme euh, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans en, en Bretagne. Alors, si vous êtes capable de le faire euh, sur les coquilles Saint-Jacques, ben vous êtes capable de le faire sur un grand nombre, et je ne vous ai pas tout mis, mais il y a des choses qui vous intéressent sur les ormeaux ici, sur les, les, la, la moule qui était. Euh, euh, qui fournissait les perles des rois de France, hein, la moule perlière euh, en Bretagne, qui est une espèce en danger, euh, euh, qui ne supporte pas la pollution. Et puis, vous allez voir, euh, je vais vous en parler, euh, l'amande de mer, qui est un animal qui vit 80 ans en Bretagne. Hein, quand vous mangez une amande de mer euh, sur un plateau de fruits de mer, elle n'a pas d'âge, elle est plus vieille qu'un éléphant. Ou on va aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous on a étudié beaucoup et on étudie beaucoup Artica et Sandica, qui est l'animal le plus vieux. De la Terre. Il n'y a pas d'animaux qui vivent plus vieux sur cette, terre, sur cette planète que Artica et Sandica, au moins euh, des animaux solitaires. Voilà, et on a un grand nombre d'animaux comme ça qui, qui présentent des, des, des curiosités. Glycéméris, glycéméris, c'est l'amande de mer. Et vous allez voir que l'amande de mer, si vous la regardez et que vous calculez son âge et que vous êtes un peu astucieux sur la façon d'assurer de, des tuilages entre différents animaux morts à différentes dates, cest que si vous êtes Capable d'être extrêmement laborieux, et bien vous, vous êtes capable, par exemple, on est à, à Chosé, vous êtes capable de retracer, de recalculer la température de l'eau de mer sur des périodes longues en prenant des coquillages sur la plage. Oui. Voilà, donc si vous, maintenant, on va, on va aller euh, en Mauritanie, je ne sais pas si vous voyez où est le bandarien entre euh, euh, Nouakchott et Nouadhibou, vous êtes à, sur les flancs du Sahara, euh, là vit une arche, c'est-à-dire cette espèce de bivalve euh, assez incroyable qui était. Euh, qui faisait l'objet d'une industrie hein, pour euh, fournir des protéines à ceux qui voulaient traverser le désert. Les gens ramassaient ici et faisaient sécher cette arche pour euh, euh, équiper les Touaregs euh, traversant le désert, enfin, leur fournir des protéines. On a étudié valablement cet écosystème, beaucoup, avec quelqu'un que j'adore, qui est Jacques Clavier. Et euh, on, on s'est intéressé à ces vents de sable et au transfert de sable depuis le continent vers le, le, le banc d'Arguin, pour faire court. Euh, le banc d'Arguin, qui est, qui est euh, quelque chose qui est grand comme la moitié du Finistère, occupé par un herbier, ouais, avec 4 millions d'oiseaux qui viennent se poser régulièrement. Cet écosystème-là, assez extraordinaire, outre le fait qu'il a cette petite arche, il ne reçoit pas d'eau douce. Le premier fleuve, c'est le Sénégal, et il est à 2000 km de là. C'est un système, c'est ce qu'on appelle un estuaire sec, c'est-à-dire c'est le sable qui transfère seul les poussières et le sable qui transfèrent les sels nutritifs qui permettent d'expliquer la luxuriance de cet écosystème, sans eau douce, je répète. Alors ça, ça nous intéresse beaucoup, et c'est une curiosité qu'on a en Bretagne, hein, le fait qu'il n'y ait pas de pluie, pas de rivière, et pas d'eau douce qui arrive en mer, euh, ça, ça, ça fait un vrai cas d'école. Et on s'est aperçu que dans ces animaux qui sont sur la plage, vous voyez, là c'est une photo que je prends de la surface de ma hauteur, et sur ce banc d'arguin là après ce qu'il dit, oui, qui est là, Noadibou est là. Et Nouak shot est, euh, est quelque part là. Et euh, on s'est aperçu que des terres rares, des choses qu'on trouve dans vos appareils photo et dans, et dans vos téléphones, l'antenne, le néodyme, des choses qui servent à, à, à l'électronique moderne, hein, ces terres rares qui sont contenues dans les sables apparaissent dans les coquilles à chaque fois qu'il y a un, 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 une tempête de sable. Et vous pouvez compter et chiffrer les tempêtes de sable en étudiant les terres rares. Qui sont accumulés dans les carbonates d'un animal qui ne paye pas de mine, qui est sur sa plage et qui lui voit passer le sable. À chaque marée basse, il voit arriver jusqu'à 200 kg de sable par mètre carré de plage par jour. Et c'est cette idée-là, je vous en ai parlé parce qu'on revient en Bretagne et c'est le propre de la Bretagne, je pense, ou le propre de la recherche ici et à Brest, c'est d'avoir une bonne idée, de l'exporter et de revenir avec d'autres idées. Là, on est en Mauritanie. Vous allez me dire pourquoi les Bretons vont étudier le néodyme et l'antane dans les terres rares, dans les, dans les arches de Mauritanie. En fait, en revenant, cette idée de terre rare est revenue avec euh, euh, mon copain Jean-Alix Barra et Ben euh, Bensalem, qui, qui est médecin à, 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 au CHU de Brest. Tous les deux, tous les trois, où on est un peu plus que ça d'ailleurs dans, dans, dans cette publication, on a eu l'idée d'aller regarder. Euh, quelque chose qui s'appelle le gadolinium qui est un élément chimique qui est utilisé en contrastant pour les IRM à chaque, en routine dans tous les hôpitaux de France et ce gadolinium a des vraies propriétés toxiques et on a commencé à s'intéresser sur les pollutions du gadolinium c'est ce que vous voyez là on a retracé les, les contaminations du gadolinium avec notre coquille Saint-Jacques pour montrer que ben, euh, on a un super témoignage de cette coquille avec euh, ces tests faits dans les hôpitaux, et à 40 mètres de fond et au large de la ville de Brest, on a les enregistrements de cette contamination. Et l'idée des terres rares vient, je rappelle, de Mauritanie. Hein. On n'aurait pas eu l'idée d'aller faire les terres rares si on n'avait pas fait cet essai en Mauritanie. Ensuite, on a Arctica islandica. C'est un peu plus étrange encore et beaucoup plus dans, le, dans notre actualité. Je répète, Arctica islandica était présent en Bretagne à la dernière glaciation. C'est un animal froid qui adore l'eau froide, mais qui n'est pas polaire, qui est subarctique. Il est aujourd'hui au nord de l'Écosse, en une partie de la Norvège, en Islande, aux îles Féroé, au sud du Groenland et à Terre-Neuve, et donc en France, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a une grande quantité de cet animal qui vit là et qui vit à Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à 200 ans, 300 ans. Alors vous essayez d'imaginer, vous plongez à Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonds sont juste luxuriants, vous avez l'impression que c'est tropical. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans, la, dans le, 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 la faune pléthorique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, on est à 20 mètres. Si vous descendez à 40, vous avez des fonds de sable avec cet animal-là qui a été dégagé, mais qui est dans cette position-là depuis 200 ans et qui attend, ouais, depuis 200 ans, en continuant à grandir. Et il nous a clairement montré que quand vous avez du vent, alors, des choses qui sont très étonnantes, parce que c'est un animal qui est grand comme ça et qui enregistre des phénomènes qui ont lieu à l'échelle de l'Atlantique Nord. Vous regardez le courant du Labrador qui descend entre le Canada et le Groenland. Ce courant-là, il a des intensités variables en fonction des vents qui sont dans la baie de Baffin. Et l'oscillation nord-atlantique, les régimes de vent qui régissent ce qui se passe dans l'atmosphère dans l'Atlantique Nord, se voit dans l'intensité de ce courant qui a plutôt tendance à aller vers nous ou vers le Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, en deux situations assez variables. Celui que je vous ai mis en rouge, si vous le connaissez, c'est le Gulf Stream. Donc, euh, luttant contre le Gulf Stream ou pas, le courant du Labrador apporte ou pas de l'eau froide et riche en sel nutritif à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et la quantité de chlorophylle présente dans Saint-Pierre-et-Miquelon dépend ouais, de ce courant-là. Et cet animal enregistre parfaitement ces mouvements-là à l'échelle de la décennie. Et alors là, maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître complètement incroyable. On vient de découvrir qu'il vit suffisamment longtemps pour démontrer que l'axe de rotation de la Lune ce qu'on appelle la précession, par rapport à l'équateur, notre équateur terrestre, ce, cet angle-là, il varie sur, un angle, sur, un, sur, un, sur, sur son axe tous les 18 ans, entre 18 degrés et 28 degrés, d'accord Et en fait, l'intensité de l'agitation de l'eau et donc de la marée à Saint-Pierre-et-Miquelon dépend de cet axe de rotation sur un cycle de 18 ans, et tous les 18 ans, finalement, la marée est un peu plus forte, ouais, 18 ans plus tard... Elle reviendra plus forte, mais à mi-parcours, elle est plus faible. Cette agitation-là conditionne complètement la quantité de phytoplancton qu'il y a dans l'eau et conditionne la croissance des animaux. Et ce, Dit autrement, un animal comme celui-là, Artica Islandica, enregistre la lune, les mouvements de la lune, d'accord, une nouvelle fois, à 40 mètres de profondeur. Et il y a une vraie poésie. On prend ça comme vous voulez, c'est de la science, mais euh, savoir que la lune est enregistrée dans des coquillages euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pour les saint pierre quelque chose d'assez émouvant, évidemment. Ensuite, on va s'en aller en Antarctique, et puis on va finir là, parce que je pourrais faire la liste pendant des heures. Mais en Antarctique, on a été étudié. Le pétoncle, il y en a un seul. Et vous voyez déjà ses stries à la surface. Hein, il vit dans des conditions. Il ne fait jamais plus que 0 degré. Et trois quarts de l'année, 95% de l'année, il fait moins 1,8 degré. L'eau est réellement froide. Et euh, il vit là. Euh, il vit là. Avec des, des conditions de glace complètement hallucinantes, c'est-à-dire sous des icebergs, et donc vous avez à vous immerger sous la banquise, sous des icebergs, et là on va, on va s'en aller gentiment, quitter la science et s'en aller vers, vers peut-être de l'art, et vous allez voir l'émotion surmerge assez rapidement parce que les photographies traduisent à peu près ce qu'il faut faire pour aller étudier ces pétoncles, toujours dans la même idée, est-ce qu'on peut aller au fond choper un animal qui va nous dire est-ce que le climat a changé, est-ce que les conditions de vie ont déjà changé en Antarctique sous la banquise bon. Et qu'est-ce qu'il peut nous raconter Le truc, c'est que quand vous arrivez au fond, en Antarctique, là, on est à 25 mètres, vous avez l'impression d'être euh, clairement anoméa Je peux vous ramener sur les photos. Je les ai pas mis volontairement, mais euh, vous avez la même luxuriance, la même invraisemblance, et avec des groupes taxonomiques qui sont étonnants. Des vers marins qui ont des formes bizarres. Évidemment, les, 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 la famille des échinodermes, des, des étoiles de mer, est surreprésentée avec des concombres de mer qui sont grimpeurs, avec des, des coraux mous et des coraux bambou un peu partout, des éponges luxuriantes. Bref, des couleurs chaudes. Il fait moins 1,8 degrés dans l'eau, sur cette photographie. Donc vous avez déjà un, un premier décalage entre ce que vous voyez, ce que vous avez déjà vu ailleurs, et le milieu polaire. Alors évidemment, il faut apprendre à, à plonger dans des trous. Enfin, vous faites un trou, la banquise fait jusqu'à 3-4 mètres d'épaisseur, donc il faut accepter de se mettre dans, dans un tube noir, et puis descendre. Là, c'est la remontée, mais vous avez une petite idée de, de, de l'implication. Quand je vous parlais de relations humaines avec Erwan Amis ou avec Julien Thébault ou avec Joël Richard. On était quatre à faire ces plongées. Évidemment, vous créez des liens assez forts parce que bah, c'est un engagement d'aller là. Bon. Ensuite, c'est un engagement. S'il n'y a pas de matériel pour passer 8-10 heures pour percer un trou, c'est un autre engagement. Et puis, bah, vous avez ce trou qui vous attend et puis vous descendez dans l'eau. Quand je vous montre ces images, vous dites, bah, le premier trou, il est à 300 km. Donc, vous avez une relation à la plongée qui correspond... À, 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 vous avez l'impression d'être dans une grotte. Ouais. Première image, il va faire froid, il fait froid dehors, il va faire, il va faire froid dans l'eau, il fait moins 1,8 degré, je répète, retenez moins 2 si vous voulez, et, euh, et il va faire un peu sombre. Bon, et euh, c'est vrai, donc, cette ambiance, euh, il y a un, un point lumineux et un seul, il va falloir s'éloigner, et avec la probabilité que le système givre, et vos systèmes euh, ne fonctionnent plus. Ouais, et, et, et cette probabilité-là est assez forte. Bon, ça arrive assez régulièrement. Ensuite, euh, évidemment, euh, ça a une allure pas possible. Hein, quand je vous parlais de poésie et de beauté, ben vous êtes un peu dans l'espace, quoi. Parce qu'il n'y ben, a pas grand-chose dans l'eau. Euh, la visibilité est celle de cette salle. Donc, vous voyez très, très bien, très loin. Et il n'y a que la lumière qui arrête votre vision. Et euh, vous voyez votre collègue se balader. Et euh, le truc, c'est que, en même temps, évidemment, il y a du bruit parce que bah, la glace se dilate, euh, elle tombe, euh, le glacier qui est à côté est en train de gronder. Euh, vous avez euh, des, des mammifères marins et euh, la houle euh, vient, vient déplacer des blocs de glace ou vient déplacer la banquise. Bon. Donc il y a un bruit. Donc c'est froid. Et le truc qui n'est pas intuitif, c'est qu'il y a du bruit tout le temps. Il y a des bruits que vous ne connaissez pas en plongée. Ce n'est pas les bruits de la Bretagne, hein. on est d'accord. Hein. Et le, le, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'assez vite, en profondeur, il n'y a plus du tout de lumière. Donc euh, la plongée en Antarctique, c'est euh, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était sans banquise. S'il y a de la banquise, il n'y a pas de lumière. S'il ouais. y a un peu de neige en plus par-dessus, alors là, il n'y en a vraiment pas du tout. Donc vous avez, il hein, y a un petit côté euh, vrai, et vous découvrez ce qu'est réellement l'océan, il n'est pas bleu, il est complètement noir, il est sombre. L'énorme partie de la mer est dans l'obscurité totale. Donc vous, vous accédez à quelque chose qui n'est pas facile à accéder parce que pour obtenir si peu de lumière, il faut descendre vraiment très profond et c'est super dangereux en plongée à l'air. Donc plonger à l'air en, bon, la, en, en, en milieu polaire, c'est accéder à des abysses par 30 mètres de profondeur. Et donc vous avez, à mon avis, l'idée exacte de ce qu'est la mer. En, 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 en utilisant une astuce qui est assez polaire. Et puis, vous voyez, ces coquillages morts au fond donnent une, une impression de voie lactée. Ou de... Évidemment, vous ressortez de là un petit peu, un petit peu bouleversé. Quoi. Alors, vous n'avez pas tout entendu, parce qu'en fait, il y a vraiment des bruits souvent menaçants. Ouais. Donc, euh, ce froid est associé à des bruits un peu, un peu étranges. C'est ça que je vous disais tout à l'heure hein, euh, lors de, 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 de la petite introduction, euh, il était tentant de réussir à en parler, hein, comme je fais ce soir, mais euh, ça, ça vous paraît facile, c'est pas forcément très simple hein, de, de quitter la science et dans une conférence ou dans un livre euh, parler euh, d'émotions et des raisons pour lesquelles vous vous dites finalement « c'est simplement beau tout ça, hein, les raisons pour lesquelles moi je fais ça ». C'est parce que c'est beau et euh, les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à pirouplage ou euh, à des crabes ou à des coquilles saint-jacques, c'est que je trouve ça beau et il y a une forme d'esthétisme et une poésie qui est n'y euh, a pas beaucoup de scientifiques qui peuvent être insensibles à ça. Hein. C'est pas vrai. Donc voilà. Donc, on remet juste histoire de remettre les choses à leur place et est exposé à Brest. Euh, cette photographie, ça s'appelait Pleine Mer. Euh, Jean Gomis a fait des photographies sur un bateau euh, à, à pont ouvert. Et euh, l'idée, est en face de cette photo-là, juste celle-là, de ce pêcheur avec ses mains énormes et avec cette cigarette et, et euh, le pont euh, nécrosé, là, avec le, euh, le pont du bateau complètement abîmé, nous a fait dire bon, euh, Jean Gomis, il peut venir avec nous en, en Antarctique et en Arctique. Et lui, cette photo-là, elle vaut mieux que tous les récits en termes de douleur et de pénibilité de la pêche. Une photo vaut mieux que n'importe quel récit. Je me dis, cette photo-là, elle est très bien. S'il fait la même chose que ça en Antarctique ou en Arctique, et on est parti en Arctique avec lui, voilà le résultat. Donc notre cabane de, est sous le troisième piquet, ouais, donc euh, l'endroit où on dort est sous le troisième piquet. Et voilà, en un, une image, vous avez un chercheur qui dit, bah maintenant, on va creuser pour pouvoir rejoindre la cuisine et, et la chambre à coucher. Il n'y a pas besoin de littérature pour, pour parler de ça. Ou euh, en une image. Les 8 heures dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, je le disais assez mal, en une image creuser un trou pour aller chercher une coquille Saint-Jacques, et quand ensuite on vous revenez, on vous dit les chercheurs sont dans une tour d'ivoire avec une blouse blanche et un microscope, vous dites c'est pas vrai, j'ai la photo qui prouve que c'est pas vrai. Bon, et en plus évidemment, on est en train de parler de, de photos qui racontent quelque chose, ce n'est pas juste un cliché qui raconte quelques pénibilités. Voilà. Alors je vous montre des images un peu de Jean Gomis et ce que j'appelle la beauté de la catastrophe, qui va être repris. Vous allez voir dans Arctic Blues et, et à mon avis qui est la bonne idée. Cette photo-là exprime ça bien. C'est une photo d'un iceberg. Vous avez l'impression que c'est une peinture, que était, et en fait c'est une photographie qui montre un, un glaçon qui n'a rien à faire là, qui est tombé d'un glacier et qui est en train de fondre. Et la photo est simplement belle. C'est pour ça que j'appelle. La beauté de la catastrophe, je pense que c'est vrai en Arctique, vrai en Antarctique. C'est souvent juste magnifique, des couleurs dingues, des situations dingues, mais qui ont, on a quitté le normal. Hein. Et Jean Gomi fait ça très, très bien. Et l'art va faire ça beaucoup mieux que n'importe quel scientifique. Cette subtilité de vision n'a rien à voir en termes de fonte et en termes d'écosystème en danger. C'est mille fois plus pertinent qu'un graphique qui je m'excuse est quand même très anxiogène et fait un peu peur à tout le monde quand je vous dis le gadolinium que vous allez faire une IRM et je, vous dis, je suis sûr que la moitié de ces salles c'est encore une mauvaise nouvelle mais on en a des mauvaises nouvelles en permanence à fournir à un public qui n'a pas forcément envie d'entendre ça comme ça alors il restait à comprendre et on va arriver à la musique à comprendre pourquoi les coquilles saint-jacques font une série par jour et on a eu l'idée de faire comme c'est pas une idée fabuleuse mais quand vous avez un votre téléphone et que vous le tenez comme ça et que vous changez l'orientation de votre téléphone, à l'intérieur, il y a un accéléromètre qui mesure l'accélération terrestre et qui mesure la position de la Terre par rapport à lui et qui change son affichage en fonction de ce que vous êtes en train de faire avec votre main. Si vous prenez cet accéléromètre-là, vous lui mettez une batterie et de la mémoire et vous lui dites maintenant, tu vas mesurer 100 fois par seconde la position d'une coquille Saint-Jacques en X, Y, Z avec un micromètre de précision. Vous avez le petit point noir qui apparaît là sur l'écran, c'est une coquille Saint-Jacques là et là, il y a un petit capteur caché sous un petit ruban. Il fait 700 mg, moins d'un gramme. Et pendant trois semaines, il va mesurer sur une coquille Saint-Jacques tous ses mouvements. On voulait savoir comment la coquille Saint-Jacques bougeait, parce que quand elle fabrique ses stris, vraisemblablement, il faut qu'elle arrête de bouger. Et je ne sais pas quand, dans la journée, elle arrête de bouger. C'est l'échec de ma vie. Je ne sais toujours pas aujourd'hui. Bref. Et on a fait ça. Et on continue à le faire à Saint-Brieuc pour étudier l'impact des bruits de battage euh, ou des bruits de forage de, de l'éolien offshore à Saint-Brieuc, on utilise exactement la même technique, savoir si les coquilles Saint-Jacques sont fatiguées, dérangées par ces bruits. C'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est fait par la société Somme qui, qui fait ça à Brest très très bien. Ensuite, euh, eh bien, on a eu l'idée de dire, là, il nous manque un peu de son. Voilà. On s'est dit, mais euh, finalement, c'est pas on s'est dit euh, l'ENSTA, les gens qui font euh, l'école d'ingénieurs de l'armement à Brest, qui écoutent, euh, qui c'est une des, une des, un des talents de la, de la marine nationale, d'écouter. Et on a commencé à utiliser, à siphonner ces savoir-faire en disant, mais on pourrait peut-être écouter les coquilles Saint-Jacques bouger plutôt que de les instrumenter. C'est moins intrusif et peut-être un peu plus malin. Et le son que vous avez entendu, c'est le bruit d'une coquille Saint-Jacques en rade de Brest. Et. Et quand vous faites ça sur une coquille Saint-Jacques, vous vous apercevez que tous les mouvements qui sont mesurés avec votre accéléromètre peuvent être comparés à ce que vous entendez. Et de façon systématique, quand vous associez le mouvement avec le bruit, vous avez une parfaite concordance. On entend très très bien les coquilles Saint-Jacques bouger. C'est ça que veut dire ce graphique. Et on les entend juste expulser leurs fesses, avoir un petit mouvement léger, ou jusqu'à nager. Et on fait la différence entre... Elle nage ou elle est en train de se retourner dans son trou ou elle a juste un mouvement expiratoire un peu violent. Bon. Et le truc, c'est que quand vous faites ça sur une coquille Saint-Jacques et, ben, et que vous voulez le faire dans la nature, ben, vous posez votre micro à côté d'une coquille Saint-Jacques en rade de Brest. Qu'est-ce que vous entendez Les vagues, la pluie, vous entendez les bateaux qui passent et puis vous entendez les autres invertébrés autour. Et on a découvert, moi je ne le savais pas, euh, que ben, des crabes font du bruit, les, 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 les homards font du bruit, les crépidules font du bruit, les oursins font du bruit. Et il y a un chorus d'invertébrés qui font du bruit à côté des morses et, en, en, en Arctique ou des phoques euh, en rade de Brest. Alors, ça donne des choses comme ça. Il faut mettre un peu de son. Voilà, donc vous ne le saviez pas, mais un, un tourteau, ça fait ce bruit-là hein, quand ça mange. Et puis vous avez derrière des choses un peu plus cristallines avec des xanthos ou euh, des chèvres, enfin des, des étrilles qui, quand elles mangent, font ces jolis bruits-là. Bon. On a fait une collection, des cartes d'identité de tous pas tous, mais les crustacés sont les plus intéressants. Et Vous avez le truc que vous mangez régulièrement au printemps en Bretagne, l'araignée qui, elle, fait un bruit du tonnerre. Alors, vous allez voir, c'est pas le record, mais elle fait quand même du bruit hein. quand même, je... elle mange. Elle n'est pas silencieuse. Et qu'on vient de dire là que bah, c'est pas vrai, c'est pas le monde du silence là-dessous. Hein. Vous avez entendu, la glace fait du bruit, les mammifères marins font du bruit, les vagues font du bruit, et même les invertébrés font un, un, un sacré potin. Alors, les... le homard bourdonne, ouais, il fait ce bruit caractéristique. Les langoustes sont le record de la Bretagne. On les entend jusqu'à 1,7 km. Ça, c'est un Jezekel qui, l'année dernière, a démontré qu'on pouvait entendre une langouste quasiment à 2 km de la source. C'est-à-dire qu'elle fait un bruit qui est supérieur à celui d'une cigale. Enfin, la petite de la perception est assez, est assez étonnant. Et il est probable que ces animaux-là aient un vrai besoin de communication et un vrai besoin, de, au moins pour le homard, on en a un début de preuve de. Nécessité de un, faire le bruit, deux, de l'entendre pour assurer une hiérarchie comme les loups ou les éléphants ou les, les lions assurent une hiérarchie, se battent, puis maintiennent cette hiérarchie avec quelques signes. Celui qui est dominé dit au dominant T'inquiète pas, on n'a pas besoin de se battre, je reconnais, c'est moi le dominé, je m'en vais. Et chez les homards, il y a à peu près ce même protocole qui existe et qui euh, utilise la position du corps, la position. Euh, des pinces et ce bourdonnement. Ça veut dire que si vous empêchez l'animal de d'entendre ce bourdonnement, ouais, alors euh, la probabilité de se battre va nécessairement augmenter. Ouais. Donc on a la, on a des possibilités avec le bruit, mais ça peut être un bruit de bateau, hein, ça peut être des bruits. Euh, ça n'a pas besoin d'être un bruit de battage, ça peut être besoin d'un bruit d'éolienne. Hein, ça peut être des bruits beaucoup plus euh, subtils et, et routiniers que ça. Hein. Il y a une thématique, je ne vais pas parler longtemps de ça, hein, mais c'est fini là. Mais il y a une thématique émergente qui est l'écologie acoustique. Le bruit en mer devient un vrai sujet de recherche. On a oublié que les animaux avaient la possibilité d'utiliser une propriété de l'eau de mer c'est elle, elle propage le son et elle le porte plus vite, plus loin ouais, que le milieu aérien. Et évidemment, la biologie et l'évolution ont retenu des solutions pour utiliser ces bruits. C'est vrai pour un, une larve de moule est très très sensible, une coquille saint-jacques aussi très très sensible au bruit. Ce n'est pas le sujet de la conversation ou de la, de la conférence aujourd'hui, mais retenez que va apparaître dans la presse et va apparaître dans votre paysage le fait que le bruit ouais, est important pour les larves de moules, les larves d'huîtres, les larves de coquille saint-jacques, les larves de prairies. Et important naturellement, hein. c'est-à-dire que probablement ces animaux utilisent les paysages sonores pour reconnaître l'endroit où ils doivent se métamorphoser. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, euh, quand on est en Arctique ou qu'on est en Antarctique euh, ou qu'on est euh, en Bretagne, hein, en fait, euh, dans ces paysages sonores on a là des bruits de glace, des bruits de mammifères marins, et évidemment, on a un vrai besoin de décortiquer ça. Ouais, c'est comme si on avait euh, un orchestre souvent simultanément, et nous, on s'intéresse qu'au violon. Vous voyez, donc euh, ça devient des mathématiques pour enlever la batterie, enlever le violoncelle. <laughs> Enlever le triangle et conserver le violon. Vous voyez, la difficulté, elle, est, elle devient. Je dis ça pour les étudiants qui nous écoutent. Là, les mathématiques deviennent centrales. Les, les sciences de l'ingénieur deviennent centrales en écologie. Marine. Alors, de ces bruits, évidemment, euh, et de euh, cette envie de, de partager autrement est né Arctic Blues. Donc, c'est l'exposition qui est associée à cette conférence et qui, est, qui va être présentée ici au Champ Libre est euh, piloté par euh, la société euh, Fauvé Art, et c'est Emmanuel Asquette qui, qui, qui pilote ça. L'idée a été d'associer, évidemment, en mission en Bretagne et ailleurs, l'année prochaine euh, au Spitzberg et à saint pierre et miquelon des musiciens venant d'ici, de Fougères ou euh, de Valence ou euh, de Brest. Ouais. Et euh, on a associé la salle des musiques actuelles de Brest, qui est la Carène, à OCNRS. Pour que de façon récurrente sur le long cours, on est en train de parler des dix prochaines années, des artistes puissent venir dans les laboratoires de recherche, dans l'actualité de la recherche, je dirais, travailler sur le son et utiliser les sons et utiliser euh, la musique pour euh, cette approche qui ressemble à de la recherche. Comment on fait pour parler euh, au grand public d'une catastrophe écologique à l'échelle globale sans être trop anxiogène et en continuant à, à les intéresser euh, à la mer Ça donne des choses. Qui fonctionne vraiment très très bien. où les conférences, imaginez une conférence beaucoup plus courte que celle-là ce soir, de 10 minutes, à un quart d'heure, qui présente les grandes lignes et un concert derrière qui est destiné avec de la musique électro ou des choses plus pop. Vous voyez, avec des, 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 des façons de faire de la musique très très variées. Euh, je, le message passe euh, euh, divinement bien et divinement mieux. Et évidemment, euh, fait du bien, y compris à la communauté scientifique et y compris aux étudiants, parce que les, les artistes ont une, une capacité créative qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, la capacité créative des scientifiques. Et finalement, le, le mélange entre les deux, ouais, ou le, le partage, surtout en mission à huis clos, ouais, aboutit à la formation de jeunes scientifiques qui ont une, une façon de voir, un, leurs leur concitoyens et leurs contemporains de façon un peu différente. Les scientifiques ont tendance à, à vivre... À, à, en circuit fermé et à être dressé, à pas trop parler, et ça les oblige à s'ouvrir vers une autre communauté et à utiliser les savoir-faire d'une autre communauté. Je pense que ce mélange à et sciences est réellement notre avenir ici en Bretagne. Voilà, je finis là-dessus. Merci beaucoup. Merci vraiment. Euh, il y a un internaute qui dit euh, arrêtez-le, il est trop passionnant. Il y a tellement de choses, de choses merveilleuses qu'il nous apprend. <laughs> voilà. C'est un bon, une bonne réponse à, à cette conférence que vous nous avez offerte. Elle est très belle, cette image. Hein en Antarctique, le, le froid peut venir de, s'il fait suffisamment froid, les îles qui apparaissent sur la, la à côté de la base du mont d'Urville, euh, se refroidissent par le sommet de l'île. Oui. Et le froid est véhiculé par la roche. Oui. Et la mer gèle par le fond avant de geler par la surface. Vous voyez, donc vous avez des animaux qui sont posés au fond, qui, ont, qui voient le fond geler, enfin, la mer geler à leur contact. Ils sont obligés de vivre avec cette glace qui est en train d'emballer l'endroit où vous êtes en train de vivre. Quoi. Je, je reprenais juste avant de vous donner la parole. Je, je relisais, enfin je regardais une phrase que j'avais stabilotée. C'est une interview que vous avez donnée aux Inrocuptibles en septembre 2018, et ceci reprenait, disait dans leur article, car les coquilles Saint-Jacques pourraient tout à la fois être présentatrice météo, climatologue et surtout historienne. Bah oui. C'est ce que vous nous avez montré. Oui. Ouais, Est-ce est est voilà. Est que vous avez des questions à poser euh, N'hésitez pas. on vous donne le micro. André, bien sûr, on devrait d'ailleurs se mettre tout de suite à côté de lui avant de commencer à donner la parole, s'il vous plaît. Oui, oui. <laughs> voilà. Et puis, et puis on, va, on va suivre après. Je vais prendre quelques questions aussi. Vous dites que la coquille Saint-Jacques est sensible au bruit. Oui. Dans son corps, à l'intérieur de la coquille, sans doute, où sont ses organes réceptifs pour l'ouïe, j'allais dire oui. C'est une excellente question et un vrai vrai, et vrai... Une, vraie question. une question complémentaire, voit-elle avec tous les micro-yeux qu'il y a tout autour là, est-elle Est sensible à la lumière au, à son environnement Alors, les yeux oui une coquille ça voit pas mal du tout. Les yeux d'ailleurs sont d'une complexité incroyable. C'est pas juste des yeux des ocelles voyez, comme on dirait sur une méduse ou des, des choses primitives. Euh, c'est loin d'être primitif, c'est réellement complexe, avec une façon de gérer l'optique est un peu compliquée, mais ça voit bien une coquille Saint-Jacques. Après, euh, la question est, on est sûr qu'une coquille Saint-Jacques, ça entend. C'est Arthur Chauveau qui a démontré ça, et qui est mon neveu. Ah oui, et, a, Arthur Chauveau a démontré <laughs> a que les coquilles Saint-Jacques entendaient jusqu'à 500-600 Hertz. Donc elle entend les sons basse fréquence, et au-dessus, elle n'entend rien du tout. Et la façon dont elle entend, il y a deux pistes, parce que dans l'eau, quand vous faites vraiment du bruit, euh, non seulement le bruit est une variation de pression et une onde de variation de pression euh, qui se propage mais quand on est dans l'eau il y a en plus une variation cette variation de pression induit une variation à un mouvement d'eau à l'échelle de la particule d'eau euh, et à cette échelle-là il est probable qu'une coquille Saint-Jacques dans ses tentacules dans ses euh, cils notamment au niveau de la branchie ou dans pas mal d'organes elle est extrêmement poilue ou ciliée et elle a la possibilité probablement de percevoir les mouvements de l'eau liés à un son. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle a des statocystes, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de savoir si elle est horizontale ou pas. Il y a des petits organes à l'intérieur de tous les mollusques qui lui permettent de savoir si elle est horizontale ou pas. Et un statocyste, ça ressemble beaucoup dans sa structure à votre oreille interne. C'est-à-dire une structure dure avec des petits cils. Et c'est la position de ce petit caillou... Dans la structure hémisphérique qui permet de savoir si elle est droite ou pas. pour ça que si vous la mettez à l'envers, elle sait qu'elle est à l'envers et elle se remet à l'endroit. Ces organes-là, probablement, ils sont capables de bouger et d'avoir la fonction d'oreille. Alors, ça ne va pas être une oreille comme la vôtre, hein, mais c'est probable que. Ce pas probable. Un, ça entend. Deux, c'est probable que ce soit le seul endroit où elle puisse entendre si on oublie le particle motion le mouvement des, des, des particules d'eau. Et sur ces mouvement de particules d'eau, il y a une seule entreprise en Bretagne capable de le mesurer, de mesurer le, particule, le mouvement, et j'ai fait ça ce matin. Ouais, euh Qu'un homard entendait par les poils de ses pattes. Ouais. Il ne faut pas s'attendre à, à des surprises, il ne faut pas, faut pas avoir trop de préjugés. Vous pouvez le disséquer 500 fois, enlever les antennes, enlever les yeux, enlever tout, il continue à entendre. Et si vous lui laquez, euh, ou vous lui peignez, ou vous lui arrachez les poils des pattes, il n'entend plus. Ewen Gézékel, un breton, a démontré ça à Brest. Est-ce qu'il y a une autre question alors, vous parlez dans, dans le livre, il y a donc un chapitre consacré euh, euh, au Comment je veux dire J'allais dire les mythes, mais ce n'est pas, pas les mythes. Euh, la beauté, la beauté, la beauté. Et puis, je trouve plus mon mot, c'est embêtant, ça va venir. Euh, un symbole, le symbole. Oui, oui. Voilà, et et j'y pense à l'instant parce qu'il euh, y a une question là-dessus euh, à propos de Saint-Jacques de Compostelle. Vous en parlez dans le livre aussi. Oui, oui. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez à, à en dire ouais, Je, euh, je... lisais le livre. <laughs> Mais euh, non, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, euh, la, la religion euh, catholique a utilisé euh, un symbole qui était déjà utilisé auparavant. Ouais. Ouais. Dès le néolithique, la coquille Saint-Jacques a utilisé, quand, avec des symboles liés à, à, à la position hiérarchique dans une tribu. Et puis euh, utilisé euh, comme symbole euh, déjà euh, de, de comment de fécondité ou euh, utilisé pour chasser le mauvais sort ou pour guérir ou, tout, toutes les astuces euh, en termes de symboles utilisés pour euh, soit de la médecine soit de la religion soit de la position hiérarchique étaient faites ont été déjà utilisées avant euh, l'apparition du symbole catholique pour euh, Saint Jacques de Compostelle avec une histoire euh, complètement farfelue hein, enfin farfelue la raison pour laquelle à Saint-Jacques, à Compostelle, on a utilisé Saint-Jacques et la coquille Saint-Jacques est tout à fait étonnante. Mais bon, Il faut découvrir. Il faut découvrir. Absolument. Alors, est-ce que vous regardez maintenant une coquille Saint-Jacques différemment quand vous en mangez ah, Pas du tout. <laughs> ah non, non, mais moi je continue à manger des coquilles saint-jacques. Là, je... on revient de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a les coquilles saint-jacques délicieuses à Saint-Pierre-et-Miquelon, et... et pour tout vous dire, les coquilles différentes de celles de. Ah, le goût vraiment... est différent de, ah, ouais. de celles de, la... ouais, de la Bretagne. Bah bon, ouais. et les ouais. Bretons pensent qu'ils ont la meilleure coquille saint-jacques, ce qui bon, oui, est pas oui forcément. Pro... C'est partiellement vrai, on va dire partiellement. C'est sympa, exactement. <laughs> <tout le monde. rire> Une autre question Non ben vous n'êtes pas curieux, curieux ce soir Ou alors on a, dit, on a, on a parlé de, 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 de trop de choses d'un coup. Euh, le couteau suisse, pourquoi est-ce que vous dites que la coquille Saint-Jacques est aussi un couteau suisse ben, euh, le, le, Pour un biologiste, il y a quelque chose d'étonnant. Par exemple, je, je, je vous ai parlé du muscle tout à l'heure, ouais, le muscle de la coquille Saint-Jacques, le truc que vous connaissez, que vous allez manger à Noël. Ce muscle-là, euh, il a deux fonctions. Enfin, il en a plusieurs, il en a trois. Euh, si vous faites, quand vous allez la préparer, vous verrez qu'il y, y a le muscle séparé en deux parties, une très petite qui a une forme de virgule et quelque chose d'un peu plus massif hein, qui fait 80% de la masse du muscle. Et en fait, il y en a un qui sert à la fuite, qui servira qu'à des mouvements assez rapides, et l'autre à des mouvements réguliers parce que le coquille Saint-Jacques a besoin de se ventiler, comme vous le faites avec vos poumons. Il y a un mouvement ventilatoire euh, qui, qui permet d'expliquer pourquoi ce muscle est aussi gros. Mais dans l'absolu, une des raisons pour laquelle il est aussi gros, c'est son aptitude à stocker de l'énergie. Il fait ce que fait votre foie, c'est-à-dire qu'il stocke du glycogène, le polymère du, du, du glucose. Donc il y a du sucre qui est sous forme d'un polymère, d'une structure répétée dans, dans le muscle. C'est ce qui donne son goût sucré à, à Noël. Et c'est la raison pour laquelle quand vous le mettez dans le beurre, ça prend une couleur de caramel. Et le goût caramélisé du coquille Saint-Jacques vient du fait qu'il y a une fonction du muscle de la coquille Saint-Jacques, c'est pour ça qui est, qui est le stockage d'énergie pour passer l'hiver. Mais les gonades vont faire la même chose. Une gonade, l'ovaire de, de la partie femelle d'une coquille Saint-Jacques, qui est toujours hermaphrodite pour l'espèce qui nous intéresse là, euh, cette, cette partie femelle elle produit en Bretagne, enfin surtout en Rade de Brest, des œufs juste avant l'hiver. Elle ne va, elle va rien en faire, à part dans ces œufs, ce sont des ovocytes. Dans les ovocytes, il y a du gras. Des lipides. Ouais. Ouais. Et Je elle aussi, elle, stèque, elle stocke ce gras dans ses ovaires pour pouvoir réutiliser cette énergie-là pendant l'hiver, pendant la carence alimentaire de l'hiver, pendant le, pendant le jeûne hivernal. Ouais. Et elle va pondre ce qui restera juste avant le printemps pour fabriquer un nouveau jeu de vos sites féconds au printemps. Ouais. Donc, et tous les organes, si vous les séparez comme ça, ils ont trois, quatre, cinq fonctions différentes. Vous avez une question à poser, je vous en prie. Alors, la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, elle est très souvent enfoncée dans, dans le marle, hein, qui est une algue calcaire. Est-ce pour se protéger Ou euh, tout simplement, euh, c'est euh, bon, une position euh, qu'elle a C'est euh... une position qu'elle a. Et euh, si je peux vous emmener euh, dans le merle de la rade de Brest, elle a la même position. Euh, au large de la Bervraque, pareil. Et... Ouais, C'est assez, assez universel. Voilà un animal qui a vraiment besoin de s'enfuir et qui a inventé euh, une tec des techniques pour s'enfuir qui sont assez étonnantes parce qu'en fait, euh, elle est obligée de se mettre sur le côté et d'avoir un mouvement. Elle creuse. Ce n'est pas un animal qui euh, va bouger forcément euh, à plat. Elle peut se mettre sur le côté et creuser un trou pour, et in fine, être enfouie dans le sédiment. Oui, parce que quand on met une étoile de mer donc, euh, devant une coquille Saint-Jacques, elle commence à trembler et puis, euh, oui. ah bah oui. puis elle s'en va. Oui, alors euh, quand on fait le calcul, je vais vous étonner, mais quand on fait le calcul de l'énergie dépensée pour fuir une étoile de mer, elle ne peut pas le faire tous les matins hein. et elle ne le fait pas plein de fois dans sa vie. Ouais, c'est un animal qui ne bouge vraiment pas beaucoup. Il ouais, faut essayer de retenir qu'une coquille Saint-Jacques, pour que ça aille bien, il ne faut pas que ça bouge beaucoup. Si vous l'obligez à nager, ouais, c'est un, un coût énergétique qui est l'équivalent pour vous d'un marathon, voire un marathon pas entraîné. Quoi. Vous voyez il y a un coût ensuite <laughs> à payer derrière en termes de ventilation de, et de dépenses énergétiques qui fait qu'elle va mettre une semaine, dix jours à s'en remettre. Quoi. Donc ça veut dire que la coquille Saint-Jacques, euh, en fait, sur sa durée de vie, de, bon, on va dire 4-5 ans, euh, elle ne va pas se déplacer beaucoup, non. Bah, elle reste un, toujours dans la même zone. Oui, oui. c'est un mythe, les coquilles Saint-Jacques qui se déplacent, qui migrent, les vols de coquilles Saint-Jacques, il y a des textes qui si ça vous intéresse, vous donnerai, mais qui, ça c'est un mythe. Une autre question Alors, il y a beaucoup de compliments hein, de la part des, des internautes qui, qui disent que, que voilà, Vincent dit un monde, monde s'ouvre à moi, là, avec tout ça. Euh, cette présentation est vraiment incroyablement riche, merci. Quel contenu immersif avec ces sons à la maison, bravo à l'équipe technique, euh, superbe présentation. Euh, une belle présentation qui nous fait écho au plus profond de nos abysses. <laughs> oui. Euh, voilà comment on ne peut pas rêver comment on ne pas rêver après cette, cette conférence comment vous est venu cet amour pour la coquille Saint jacques on l'a un petit peu dit au début oui. mais peut-être que le, 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 le n'était pas encore avec nous à ce moment là le Hein le, le... Non, mais ce qui. Moi, moi c'est très trompeur parce que j'envoie une image de quelqu'un monomaniaque. <laughs> et on dit bah, Comment il a trouvé une femme qui, pour oh, réussir à vivre avec un type qui parle que de coquilles Saint-Jacques Ça être terrible. <laughs> non, mais je suis capable de faire un, de faire autre chose. Deux, le, 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 ce qui est. pour euh, faut retenir, c'est que ce qui m'intéresse vraiment, alors là, vraiment, c'est le fonctionnement des écosystèmes oui. côtiers, surtout côtiers. Et euh, alors là, par contre, euh, j'y mets toute mon énergie, quoi. Et c'était vrai à l'université de Bretagne Occidentale. Je suis entouré par des gens qui veulent comprendre comment fonctionne la mer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il est difficile de comprendre comment fonctionne le corps humain. C'est déjà complexe. Il y a plein d'organes, des choses très très compliquées, très très liées et interconnectées. Euh, c'est pire euh, dans l'océan. Oui. Euh, pour l'équivalent, pour, pour filer la métaphore de la médecine, ça serait euh, euh, essayez d'imaginer que vous rentriez dans un hôpital pour savoir, parce que c'est la question qu'on nous pose, c'est vrai à Saint-Brieuc, est-ce que ça va bien Est-ce que l'océan va bien C'est la question que pose le public aux océanographes. Ouais. Est-ce qu'il va bien ben, On a inventé l'hôpital avec quelques personnes qui ont inventé le qui savent faire euh, probablement euh, un, un début de bilan sanguin, ouais, et qui savent, <laughs> qui savent vous peser peut-être, et euh, un début de radio, mais on n'a pas inventé euh, l'IRM, on n'a pas inventé euh, euh, les, comment, les, 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 les 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 50 services d'un hôpital. On en a trois. Ça ouais. veut dire qu'il y a encore ça, beaucoup, ça ça beaucoup de que, travail à faire. Un, il y a plein de travail. Deux, on n'a même pas décrit complètement tous les habitants, on n'a pas tous les organes. On n'a pas décrit euh, tout le système verdeux, ni le circulatoire, ni on ne sait pas trop où, où va l'eau. On commence à avoir des idées, mais oui, on n'a pas abouti la description même du paysage. Mmh. Oui. Et on nous pose la question, euh, comment, comment fonctionnent les écosystèmes sûr. Et là, dans cette euh, démarche-là, la coquille Saint-Jacques apparaît comme un outil oui, euh, assez, assez incroyable. Donc, euh, essayez d'imaginer que des océanographes mmh. s'intéressent à la coquille Saint-Jacques de plus en plus parce que euh, bah, l'outil permet de décrire des choses très fines et de plus en plus fines mmh. à l'interface au sédiment et surtout dans la réponse des organismes qui sont un peu primitifs certes elle est là depuis 25 millions d'années mais les mollusques sont là depuis 500 millions d'années mais en fait vous avez fait faire quand même des progrès extraordinaires à, à toutes ces études parce que l'histoire des stries par jour c'est vous l'histoire de travailler sur le son euh, euh, et de ce que ce que, ce que nous disent c'est c'est euh, oui. oui. ouais, bah, c'est vous bah, aussi ouais. euh, souvent autour d'une bière j'aime bien Claude Lorius parce qu'il a découvert un truc incroyable en avec bureau, le verre en de whisky. whisky mais, oui, mais j'aime bien ces gens là qui démystifient un peu peu, qui disent, bon, écoutez, vous, vous le dites aussi, dans le, vous en, de, en parlez aussi dans et, le livre, ça. Hein comme on a fait ce soir autour d'un verre de vin. Finalement, il y a des bonnes idées qui apparaissent là, pas forcément. Et puis, euh, faut faire comme les équipes de rugby, c'est forcément une équipe. Ouais. Il n'y a pas un excellent demi d'ouverture sans des bons arrières, et ainsi de suite. Moi, je trouve que voilà, c'est une université, des bons labos, et euh, là, dans le cadre de Brest, euh, une ambiance à la pointe de la Bretagne qui se prête beaucoup à ça et surtout au mélange art et science. Voilà une ville qui se prête à ça. Et je ne sais pas comment dire. Ça, ça s'invente pas. Ce n'est pas un individu qui change ça. C'est vraiment une culture. Ça, je, pense. je vois que dans la salle, il y a mon collègue Yves-Marie Giverge qui s'occupe de la programmation des expositions et dont celle d'Arctic Boost. J'espère qu'on va convaincre aussi le public rennais et les gens qui viennent au Champ Libre de l'importance de découvrir ce, ce monde absolument extraordinaire, je crois. Alors, je regarde si encore. Est-ce que vous avez encore une question oui, on vous donne le micro alors, on vous l'apporte. Pendant ce temps, je regarde un petit peu ce qui arrive. C'est pas facile de tout faire à la fois. <laughs> euh, quels sont les prédateurs d'une coquille Saint-Jacques Je n'ai pas entendu. Vous pouvez répondre. Quels sont les prédateurs d'une coquille Saint-Jacques Ah, les prédateurs. Alors, euh, on a parlé de l'étoile la, de, la, de, de mer. Au stade adulte, l'étoile de mer, le poulpe, euh, en Norvège, pas beaucoup en, en Bretagne, mais euh, beaucoup. Euh, comme en Norvège le tourteau, les crabes ont une possibilité de tuer des petites coquilles Saint-Jacques. C'est un des avantages de la croissance plus vous êtes grand, moins le nombre de prédateurs, plus le nombre de prédateurs se réduit. C'est moins en moins facile de manger une coquille Saint-Jacques quand elle est grande, quand elle grandit. Ensuite, le truc qu'il faut imaginer, c'est que quand au stade post-larvaire, c'est-à-dire à 250 micromètres, à un cinquième de millimètre, là il y a pléthore de vers marins. Et de, de pycnogonides ou d'animaux qui sont euh, capables de l'avaler. Donc, euh, au premier stade, pendant les, les, les deux premiers mois de sa vie, euh, le nombre de prédateurs est complètement dingue. Et la mortalité est folle. Et c'est ensuite, ça se réduit beaucoup. Apparaissent aujourd'hui euh, des poulpes hein, qui ont, font des dégâts sur les coquilles Saint-Jacques et apparaissent des, euh, des dorades. La dorade royale, les dorades ont la possibilité de. de de brouter et de casser des coquilles Saint-Jacques. Casser la coquille assez facilement. Donc là, il c'est nouveau, le changement climatique a fait revenir des dorades et euh, l'hiver 63-64 avait fait dispara disparaître le poulpe et il est revenu. Euh, on vient on vient de faire réapparaître dans le paysage de la coquille Saint-Jacques bretonne deux prédateurs très très sérieux. Euh, qui inquiètent... Euh, mais ça n'a pas encore... Ils n'ont pas encore... Euh, ils n'ont pas encore d'impact sur euh, les débarquements de la baie de Saint-Brieuc et pas d'impact sur la baie de Seine euh, mais des impacts sur les semis. Vous savez, euh, la coquille Saint-Jacques est produite euh, à l'écloserie du Tinduf euh, à hauteur de quelques dizaines de millions de juvéniles par an qui sont semés dans les endroits où les communes veulent diversifier euh, la pêche, par exemple. Euh, ça a été le cas à Grandville si on reparle de la Normandie. Euh, ah oui. ouais, les coquilles Saint-Jacques semées au sud de Jersey. Bon... Semé en baie de Saint-Brieuc, ça, ça, ce semi, parce que c'est des animaux qui font 2-3 cm de diamètre, ce semi-là, il, est, il, est, il prête le flanc à la prédation des dorades et, et des poulpes. Alors, je suis surprise qu'il n'y ait pas eu du tout de questions. Michel m'en parlait tout à l'heure en aparté euh, à propos des éoliennes en mer. Est-ce que, est que vous avez été. Euh, euh, questionner sur l'impact qu'auraient les éoliennes en mer sur, euh, sur les coquilles Saint-Jacques, par exemple ben, On s'est trouvé... Euh, ça permet de dire qu'il n'y a, a pas de frontière entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale. On faisait de la recherche fondamentale sur les poils des homards <laughs> et savoir par où ils entendaient et ce quand, qu'entendaient les coquilles Saint-Jacques. Et... Euh, et euh, on, on, brutalement, on a essayé évidemment de faire entendre les sons euh, à notre guise ouais, à des homards, des coquilles Saint-Jacques, des prêtres, pour des raisons de recherche, pour savoir ce qu'ils entendaient. Et c'est pas simple parce que dans un bac, euh, même si le bac est énorme, vous avez un gros, gros, gros problème de réverbération, des, des problèmes liés au bac lui-même. Mm -hmm. C'est comme euh, chanter un opéra dans une grotte. Ça pose ah oui. tout de suite un problème parce qu'il y a un écho pas possible. Quoi. Donc, on a résolu ces problèmes d'écho en faisant des parois d'aquarium qui absorbent les sons. On, au bout d'un an et demi de travail, on était capable de faire ça. Et est arrivé le problème des éoliennes de Saint-Brieuc et euh, le comité local des pêches de Saint-Brieuc demandant à la préfecture et à elle-marine de financer. Euh, des travaux sur l'impact du bruit, battage, forage, tranchage sur les coquilles Saint-Jacques au stade euh, adulte, juvénile, larvaire, même avec effet maternel. Est-ce que euh, les femelles euh, en pleine gamétogénèse, enfin, gestantes, avaient, euh, euh, émetté des larves plus sensibles ensuite au bruit que si elles n'avaient pas entendu du bruit pendant euh, la gamétogénèse bon, on, était, on a fait ça les deux dernières années et le résultat de ça, c'est qu'il euh, n'est pas possible de tuer une coquille Saint-Jacques en faisant du bruit. C'est la première information qu'il faut dire à tout le monde. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas d'impact du tout, parce qu'on euh, a euh, des coquilles Saint-Jacques qui ont probablement euh, des mouvements. Euh, vous l'obligez à se fermer un petit peu. Je ne peux pas vous chiffrer ça comme ça parce que euh, je n'ai pas, pas fait le calcul, mais il euh, y, a, y a probablement un peu de fatigue. Ouais, on peut imaginer qu'au bout d'un moment, si vous faites du bruit, vous l'obligez à se fermer. Il euh, y a... Un petit manque à gagner, comme un lion qui se lève et qui oblige des gazelles à fuir. Il ne va pas systématiquement manger des gazelles, mais le fait d'arrêter de manger et de se déplacer, ça a un impact sur la population de gazelles. Vous voyez et donc, c'est de l'écologie, et de la prédation euh, qui n'est pas effective, mais les effets indirects de la présence du prédateur est là, en l'occurrence, d'un bruit humain. Bon, mais, ça, mais ce sera quand même dans l'épaisseur du trait. Hein, qu'on est en train de dire ça, euh, les, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'une coquille Saint-Jacques était sensible au bruit, au stade larvaire, oui. C'est vrai pour les moules, vrai pour les huîtres, vrai pour les prères, euh, Probablement des, des petites difficultés ou des, des variations dans leur alimentation, dans la croissance. Je répète, dans l'épaisseur du C'est-à-dire qu'il faut faire des manips très très fines pour détecter qu'il y a un tout petit changement. Il n'y a rien de drastique et rien de, de catastrophique en première lecture. On verra ce que va nous dire l'avenir. Mais vous êtes en train de nous poser une question. On aurait dû faire ça il y a dix ans. Et avec 10 ans de recul, répondre à Saint-Brieuc aurait été très sain. Avec dix semaines de recul, c'est demander beaucoup à la recherche fondamentale que de répondre sur l'impact du bruit sur la biodiversité d'un écosystème, alors qu'on a des idées que sur les dauphins et les cétacés en général, et un petit peu sur les quelques poissons, et on n'a aucune information. La, la communauté scientifique et le public, tout le monde, a oublié d'étudier le bruit sur, en mer. L'impact du bruit, pardon l'impact du bruit en mer. Parce que le bruit, lui, il a été étudié notamment par les militaires. Mais l'impact du bruit, il n'est pas connu. Sur les invertébrés, je hein, faut que je sois précis à chaque fois, sur les poissons, on a des idées. Sur les grands mammifères et sur les, 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 les mammifères marins en général, on a des très bonnes idées. On n'en a pas sur le homard, on n'en a pas sur les langoustes, on n'en a, a pas sur les crevettes, pas sur les poliquettes, pas sur les éponges, pas, on n'a pas aucune information. Mais les premiers essais, évidemment, c'est votre question était pertinente. Hein. Quel est l'impact du bruit Il bah, faut que les animaux entendent. Et tout ce qu'on fait, ils entendent des choses très basse fréquence. Ouais, ouais. Donc ouais, tous les sons aigus euh, ne sont pas perceptibles. Donc ça veut dire que ça enlève une gamme. On, y a des, on peut faire des bruits aigus. ça que ça veut dire. On, peut, mmh. je, on pourrait. Il ouais, faut que je, sois, je prenne des pincettes. Alors voilà. Il y a les bateaux. Alors le truc, dans la baie de Saint-Brieuc, la deuxième... Recommandation, c'est de mettre en perspective des bruits récurrents avec les bruits additionnels qu'on fait pendant la construction des éoliennes. Et ce n'est pas un écosystème vierge par ailleurs, tout n'est pas égal par ailleurs. Il y a bien des bruits anthropiques récurrents qui sont en mer, en France, partout, à l'exception de peut-être, c'est pour ça que je vais à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'ouest de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Bretagne. Vous pouvez mettre un micro dans l'eau, vous entendez toujours un bateau. Alors pour finir, je vais, je vais juste reprendre une petite phrase que vous avez prononcée lors d'une interview réalisée pour Science Ouest. Ouais. C'était vieux, c'était vieux. Ouais. <laughs> On vous demandait qu'est-ce qui vous ferait douter de la rationalité, et vous avez répondu ceci. Vous me direz que c'est encore d'actualité, ouais, mais je peur, suis pas. non, non, mais je suis sûr que oui. L'aptitude parfaite. Alors vous avez répondu donc douter de la rationalité. Qu'est-ce qui vous ferait douter de la rationalité, l'aptitude parfaite qu'ont les poètes et les musiciens à traduire des impressions et des états d'âme. Alors, Alors, voyez, vous, vous êtes ça. très cohérent. Ah, mais... hein. <rire> <rire> voilà. Merci, merci beaucoup pour cette belle conférence. Merci, merci aussi d'avoir euh, participé à ce, ce, ce travail sur la sur l'exposition. N'oubliez pas, elle ouvre, le, elle ouvre dans trois, trois jours euh, et elle se tiendra jusqu'au mois d'avril dans la salle Anita Conti des, des Champs Libres et ça va être, je pense, une très très belle exposition. Merci à vous d'être venus ce soir nous rejoindre. Bonsoir, bonne fête aussi de fin d'année parce que nous allons nous quitter là pour cette fin de saison et si tout va bien, nous nous retrouverons le 11 janvier avec Étienne Klein qui nous parlera du vide. Bonsoir. 那个。Yeah.